Eh bah bien le bonjour. Ah bah Bonjour, moi non bonjour. plus. Moi je vous connais pas, vous. Comment Comment ça va, que... John Dallas? Ah bah c'est le fameux Dallas, on m'a dit que vous avez une promotion d'ailleurs. C'est vrai vous? Bah rien du tout, pourquoi? Pas du tout. Ah oui, pour le coup, je suis sûr, oui. Bah, Quoi? je pense parce que Bah, votre cheval il est va un se peu barrer, énervé. oui. Il est énervé, mais Il est je me bien suis pas pris tiré, ça bon. oui, sur. Mais. C'est ça que vous parlez? Il a de grosses couilles, hein. Oula. Après, effectivement. Oh, vous inquiétez pas, au pire, j'ai la solution radicale. Attendez. Non, mais attendez, je suis en train de remarquer un C'est truc. pas grave, un petit coup de vétérinaire. Je remarque quelque chose. Faites gaffe à ce qu'il paraît, il aime bien faire des trucs salaces avec les cheveux. Oh. La fille des Quelqu'un. soucis. Ah bah oui. Je suis rentré à la maison. Très bien. Hein. Excusez-moi, mais par hasard vous êtes, parce que j'ai plus la cervelle de. Ah bah Le policier. ça va, c'est Papichon, donc oui, ça va. Il m'a mis en cellule pour rien. Bah si, c'est ça le Si, problème. c'était pour déconner, franchement, c'était pour déconner. Je me suis pris 5 minutes, ça fait chier. La pisse. Lequel, il y en a deux. Ouais. Jackson Smith. Faut que tu me vois pour. Ouais. Je reviens vite. Hein. Vas-y, je vais me péter mon lourd côté ici. Ouais. Bah, j'étais là, mais sur d'autres opérations, et une avec le Marshal Knut à 21h sur ordre de Pichon, donc j'étais pas là il y a 2 jours. Hier, j'étais sorti de Sissika. Oui, 2 jours. Exactement. Non, bah justement lui était d'accord avec moi du coup. Ok, bah, c'est mal compris alors. Non, je sais qu'il y a eu un convoi. Que vous êtes fait prendre à partie, mais que ça s'est bien passé. Ah ben voilà. Parce que moi hier j'ai dormi toute la journée. Ah bah, mon vieil âge, n'importe quoi. 39 ans, c'est vieux. Oui. Ah oui, ça, on m'en a parlé aussi, mais c'est un citoyen qui me l'a dit, donc j'y croyais pas trop. D'accord. Les citoyens qui sont là, on les fout dans l'hôtel derrière, hein. Ouais, y a pas de souci. Mais voilà, il y a des chances que ça attaque ce soir, effectivement, et ça va être peut-être assez radical.
Comment ça? Bah, je sais pas, ils parlent de reprendre Blackwater et ils ont l'air de dire qu'ils seraient nombreux. Oh, mais ils disent à chaque fois ça, c'est la troisième fois que je subis ça. On ah prend ouais, les toits. Vu qu'hier bon. On a couché des gars de la Guardia, je pense pas que ce soit du pipeau. Donc je préfère être prudent. Je pense que Pichon aussi, de toute façon, on les attendra, évidemment. Mais voilà. Alors, concernant aussi. Alors, attends. Hop, faut que je prenne mes notes. Hop, carnet. C'est bien, je suis content. J'ai cru que c'est moi qui allais avoir votre place. Je suis content qu'il m'ait pas choisi. Je veux pas monter. Ah, tu veux pas de responsabilité? Non, je. C'est pas que j'en veux pas. C'est intéressant. Mais moi, si je peux juste former, ça me va. Ce que j'ai dit à. Tu sais, donner des conseils sur les rapports. Etc. Pas ce que tu fais déjà très bien, c'est vrai. Les patrouilles, le B.A.B.A. quoi. D'ailleurs, tu as vu la nouvelle carte des patrouilles? Non, j'ai pas vu, j'étais pas au courant qu'il y en avait. C'est dans le classeur infos et documents. Jackson, je vous laisse jeter un coup d'œil aussi. Carnet pas de problème. Du coup, vous aurez. Ta 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 ta. Ouais, bah c'est la patrouille oui, à faire. Voilà. Oui, c'est ça. Mais c'est juste ouais. Comme ça, il n'y a pas trop de questions et les gens savent à peu près où aller. Les points bleus, c'est les checkpoints ou c'est ouais. Les endroits où il faut passer? C'est les endroits où il faut passer. D'accord. Ouais, c'est pas les... là où il faut faire des contrôles à 4 et arrêter les gens. On est... D'accord. Ouais, c'est. Non, non. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. D'accord. Ah, pour le coup, il y a juste maintenant, c'est toi qui verras ce que t'en fais. Par contre, effectivement, les frontières, évidemment, on contrôle. Hein. Ça, c'est évident. Par contre, il manque peut-être une frontière, celle dans les montagnes, là. Alors, celle près de la chute d'eau. Ouais, mais ça, on en a déjà parlé. Et habituellement, ils se font prendre quand ils essayent de passer par Tall Tree, quand on zone là-bas. Les deux routes D'accord. qui sont en point, c'est celle où on passe. Par contre, ouais. Y a un petit truc qui se passe en ville. Là. Ah oui, effectivement. Oui. Ah bah là, c'est parfait. Alors, Monsieur Jackson. Oui. Vous prenez la négociation? Ok. Allez, vous en avez déjà fait? C'est une vente. Ah, oui. Ah c'est une, ah, c'est une vente. Bonjour monsieur. Bonjour, bonsoir tout le monde. Je sais pas pourquoi mon micro a tendance à se mute en début de live alors que je le démarre. Donc voilà, c'est assez saoulant. Et je le vois pas toujours en mute, donc n'hésitez pas à me le dire. Voilà, voilà, voilà. Bon bah... Écoute, hein. C'est vrai que récemment il ouais, y a pas mal vu. De points de vente ici hein, ouais. Dans cette rue.
Bah, c'est depuis quoi, midi, 13h, c'est la première chose qui s'est passée à Blackwater. Ouais, et t'as pas réussi à choper le mec. Non, là, je l'ai pas vu celui-là. Je l'ai pas vu. Hein. J'ai été dans le bar, le saloon. Pardon. Il est passé où, Jackson? Je sais pas, il était avec toi. Moi, j'ai fait le tour jusqu'au télégramme. Il était pas avec moi. Good morning, friend. Ah, ma cravate est mal mise. Bonjour monsieur. T'as voulu nous quitter? Oh non, mais vu qu'il y a des problèmes en ville, à ce que je vois, je vais faire un petit tour. Comme ça, est-ce que vous voyez? Bah, je sais pas, vous avez pas une intervention, non? Non. Je vous ai vu partir assez précipitamment. Oh non, non, vous en faites pas, c'est trop fort. T'as un entraînement. Eh, bonsoir. Siola. Je vous connais pas, vous. Non, c'est Carlos, les tontons. Le tonton de qui? Tonton de Ramon. Il est là, Ramon? Si, ah, derrière le bar. Quoi? C'est privé. Eh ben, il voulait me parler par rapport à hier. Merde, c'est que ça dit Yandalas. Bah, c'est Yandalas. Ah, ah, Ramon. Là, là. Si, ça va, ça va. On peut dire que... c'est plutôt un bon jour pour le... Le shérif Smith. Pourquoi? Tu voulais l'amener un peu plus loin? Non, tranquillo, regressa dans ma home, ici même. En dehors des regards indiscrets. Ah, il n'est pas dit ce qu'il allait faire. Il n'avait pas faire de... Ah non, non. De menaces. Non, je sais, Ramon. Il voulait... Menace gratuite. Il voulait simplement m'entretenir avec. Ah, je te laisse t'entretenir. Par contre, tu touches un cheveu de mon député, je te fais bouffer l'herbe. Recule, boyard de bœuf. Bonjour de tapas. Boyard de tapas. Ah non, c'est un truc avec monsieur Ramon. Si, vous êtes son oncle. Si, c'est le tonton. Et vous? John Dallas. Chanté. Un fin connaisseur de votre... De votre neveu, c'est ça? Du coup. Si, Ramon. Ouais. Il fait pas trop de bêtises, j'espère. Non, hier, il a essayé d'attaquer un convoi fédéral. Tout va bien. Ah si, oh. Il s'est fait choper, j'espère. Bah, bien sûr qu'il s'est fait choper. On lui a plombé le cul. Oh. Mais ça va, il va bien. Ah oui, ça va l'air, si. Ah, c'est pour ça qu'il va se sticker ce soir. Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, il a pas osé me dire pourquoi, le petit. Ouais. Bon, ça, là, il sait ce qu'il attend s'il si s'en prend à mon député. Ah non, mais il voulait juste que discuter. Ouais. Il est pas méchant, la mode. Non, il est... Ça, c'est sûr. Ça dépend avec qui. Si. Et donc, j'imagine que vous êtes dans la famille, hein, Los Vengadores. Si, bien sûr, bien sûr. Ça se passe comment pour vous alors? Si. Hola, hola, les mangeurs de bœuf. Hola, hola, mangeurs de tapas. Merde, vous êtes de plus en plus petits chaque jour que je vous vois. Ouais.
Et toi, ça. Mais t'inquiète pas, tu vas rétrécir à Sissika. Les et cellules tu sont vas petites. Aller faire des patates, Ramon. Tranquilo, Sissika, ça va être une promenade de santé. Bah, j'espère, j'espère, vu ce que tu t'es pris hier. Qu'est-ce que j'ai pris hier? Ça a mieux ton genou? Si, tu vois le docteur, tout va bien. Ah, c'est bien, t'as enlevé les points? Si, bien sûr. Et même ça de ton fameux shérif Smith, c'est bien ça? Exactement. Ah, Smith aussi a été blessé hier? Bah non. Non, mais il a pris une balle. Ah. Si. Et d'ailleurs, c'est pas très difficile de le faire parler. Apparemment, on est des terreurs. On fait peur à des mondes. Des terreurs? Alors, Evangadores, peur, c'est pas le mot que vous incarnez, mais. À dire que vous êtes quand même des criminels. Des criminels. Non, on fait ce qui nous semble être juste. Oui. Comme, comme si c'est contraire à la loi. Bah oui. Pour vous. Contraire à vos lois. Bah, c'est les vôtres, bah, les nôtres. Bah, vous avez lu nos lois quand même. Oh non. Allons. Les vôtres. Ah, comment on fait déjà? Bah non. Ah, il y avait rien dire, vous êtes bien plus que moi. Non, non, mais c'est... Attends, si t'es sur le sol américain, tu respectes les lois du sol américain. Ben oui, hein. Ah, il y avait rien à dire, ça serait trop facile. Ouais. Si. Elle est au milieu. Attention, Ramon, hein, tu sais que on te respecte, il n'y a pas de soucis. Et on vous respecte aussi. Mais voilà, on peut être très con. C'est moi, c'est quand je veux, je peux être très con. C'est. Oh, on m'appelle le cognon de Mexique. Mais non, t'étais pas l'élite des Vengadores hier, tu te vantais. Eh, je suis l'élite, pas celle qui est au bout de ta bite, comme je t'ai dit. Eh bien, Ramon, on va se battre. Non, mais c'est plutôt un tireur d'élite qu'elle est un élite. Oh merde, attends. Tu veux qu'on se batte, Ramon? Comment il s'appelle au milieu? Au milieu. William Smithy. Smithy. Ah, Smithy. Oui. Et vous êtes un petit shérif ou un shérif? Shérif de Blackwater, tout à fait, depuis un bon moment, là. Je connais bien. Ah, vous me connaissez, pas vous, mais... Tira, la maman, tout ça, je les connais bien. Ah, on fait partie de la famille, du coup. Ah non, je fais pas partie de la famille. Aidez-moi, puisque tu les connais tous, il y a une faveur à te demander. D'y voir. Hier, tes hermanos, ils ont un peu abusé sur le prix de l'amende. Ah bah, je sais pas, j'étais pas là. Ils m'ont donné, à moi et hermano, $50 d'amende. Moi, je te propose, c'est... Non, c'est pas mes hermano, c'est le juge de Lyon. C'est pareil, le juge, le Lyon. Pas pareil. Oh, je sais pas qui, c'est pareil, c'est vous. Ah non. T'as shérif, t'as juge, t'as gouverneur. Ah, il vous représente. Oui. Et t'as une petite clochette dans ta poche. Merde, c'est. Oh, t'es vraiment connard. Un bâtard. Faut la faire taire. Fais pas tring-ring. Ah, il va pisser. Il arrive. Ouais, va pisser. Si, va pisser, Ramon. Il a toujours envie de pisser à des bureaux comme ça, c'est incroyable, Ramon. Oh non. Moi, je pense que c'est un gros problème à la vessie. C'est la première fois que je le vois. Hein. Ramon? Ramon. Oui. Non, on le voit tout le temps. Bah, c'est la première fois que je le vois. Moi, c'est Mama, Sierra ou l'autre, je sais plus. Guillermo, voilà. Ouais, bah, Guillermo, oui, on le connaît bien. Voilà. Guillermo, ah, d'ailleurs, Guillermo, Guillermo, ouais, je suis... Enfin, je t'en parlerai après, ce midi. En fait, Smithy, la Mano Nera, ça te dit quelque chose? Oui, tout à fait. Mm-hmm. Pourquoi? Bah, c'est les béné, c'est ça? Béné. Bah oui, je sais ce qu'ils font, je sais dans quoi ils trempent, je sais où ils se rassemblent. C'est même des choses que tu ignores. Au chiffeur. Non mais ça c'est connu, oui, le chiffeur, oui. Pourquoi tu veux faire quoi, une enquête? Non, parce que j'entends beaucoup parler en ville. Ou ici? Ouais. C'est normal. Pourquoi? Je t'expliquerai. Ok, oui, on discutera. Oh, c'est bien. Si il était pas là.
Mais non. Oh, tu sais, Smithy, les Los Vengadores, qu'est-ce qui nous épuise? Oh là là, non, des grands criminels. On en était où? Je sais pas. Ah, il y a des c'est les 50 dollars. Si je bats ton hermano à la Yandalas, le meilleur de bœuf, tout le monde paye 50 dollars. Bon, ça marche pas comme ça. Ah, si, vous pouvez donner tous les trois des dollars. Non, ça marche pas comme ça. Ah, vous êtes pas très joueur. On n'est pas très riche. Mais de toute manière, vous allez aller à Sissika. Et alors, vous allez pouvoir vous faire de l'argent. Comme ça, Sissika, ils font de l'argent. Oui, il y a le champ de patates. Allez vous faire foutre. Alors, franchement, je suis pas là pour dire le banditisme, c'est bien, mais... Arrêtez, passer du banditisme aux patates, je suis pas sûr que ça. Il y en a un qui rapporte moins que l'autre. Bonjour, monsieur Pichon. Oh là, monsieur Pichon, là là. Monsieur Pichon, seigneur Pichon. C'est qu'il y a beaucoup de meilleurs de bœuf ici. Non, mais vous en faites pas, on n'a rien contre vous. On n'a rien fait de tout. Ah, voilà. Déjà, vous avez pris tarif hier, vous n'allez pas prendre tarif aujourd'hui pour rien en plus. Ah, tranquillo. Tranquillo. Si. Par contre, si vous voulez vous faire de du fric sur les shérifs, vous faites un poker avec eux. Ou alors, les Américanos, vous jouez trop au poker. Et voilà. Pour être des bandits, il y a du monde, mais pour jouer au poker comme des hommes, il n'y a plus personne. Ah bah, ça, on vient chercher la plata, c'est pas pour vous la redonner. Ah. C'est... Putain, c'est vrai qu'il est pas con, lui. C'est... Ah, t'es vraiment le génie du groupe, Ramon. Après, si vous m'autorisez à les braquer, il peut utiliser l'argent pour faire un poker. Ah non. Ça, c'est... Non. Si. Bah non. Bah, comment d'accord, on va dire. Non. Mais pour qui? Parce que... Pas de problème. Le General Store, il appartient à quelqu'un, non? Bah, il sait pas, il connaît pas. Oh putain, il va falloir que je vous explique le système économique des États-Unis. Asseyez-vous, c'est par ici, cours première année économie. Comment te dire qu'on est plus souvent là que votre propriétaire de je sais pas quoi là? Votre propriétaire de? Bah de trucs là, attends, c'est quoi ta BD là? Mais il est très malade. Elle est très malade, bah justement on est la plus colouée, donc on récupère, on s'occupe du magasin. On peut tourner son commerce. Mais non, vous pillez son magasin. C'est, il faut bien vider la caisse, sinon c'est pas nous, il y en a d'autres qui vont le faire. Et non, ils vont profiter, nous on n'aime pas les profiter. Oh, vous êtes des hommes de cœur, bien sûr. Voilà. Oui, c'est ça, vous êtes des hommes de cœur finalement. C'est. Santa Maria. Ouais, tout ça. Voilà, avec nous. La Santa Maria, je suis pas sûr que c'est ça, la Santa Maria quand même. Merde, je crois qu'il y a un peu trop fumé. Ouais. T'as fumé quoi? Ah, rien. C'était un tout à l'heure. Ah non, mais. Merde, il en a pas marre d'écrire depuis tout à l'heure. Bah, c'est dur de. Ah non, malheureusement, moi je suis cultivé, je sais écrire. Donc, t'es cultivé, je vais. Cultive-toi, pas des patates. Attends, c'est. On va te cultiver comme des pommes de terre. Tu vas rien faire du tout. On va te retourner et te pêcher. Et il va t'approcher. Oh là. Qui veut me retourner? À moi. Allez, y'en a, il va aller se battre avec moi, ça va être rigolo. Ah, c'est moi. Moi je vais me battre contre le deuxième. Ça va être rigolo. C'est. Y arrive. Non, pas 50 dollars. Allez les chéris, 50 dollars. Non, pas 50. Voyez, mais on doit aller chercher. Je mise quoi. Oui, c'est ça. Non, pas de problème. Enlève tout ce qu'il y a. Ah, c'est, il y avait passé par terre. Allez, d'abord, le moyen de bœuf, c'est que c'est. Bon, Pichon, tu lui laisses une petite cicatrice. Hein. Ouais. Ça lui fera un souvenir. Il y a des neveux perdre encore. Mais enlève mon chapeau. Et je garde. Là, je te garde ton chapeau. Ah, j'espère qu'il sait se battre ton neveu hein. Rabonne, c'est le meilleur. Allez Rabonne. Putain, il a tapé dans le vent. Non mais t'inquiète, Pichon est un homme d'honneur. Ah ouais, c'est ça l'honneur. Ah bah bien sûr. Ah merde. C'est l'honneur des Américains ça. Ouais, il est en train de le défoncer à la loyale. Ah. Allez Rabonne. Allez, vas-y, Pichon! Ah, là, ça me dégoûte, je n'ai pas la fin. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est pour ça que j'aime ce métier en fait. Oh, t'as bien fait de pas mettre 50 dollars, il vous le dit. Ah, bah oui, bah, c'est ce que je t'ai dit là. Pichon, il est un peu énervé là. Pas contre lui, hein, mais.
mais il nous met tarif. Ah bah oui. Voilà, c'est ça la mode. Allez Pichon, montre-lui ce que c'est que la boxe française. Je suis même pas sûr. Tu peux aussi faire deux choses, mon grand. Oh, il s'est fou de ta gueule, Ramon. Eh ben Ramon, c'est ça le génie des Vangadores. Putain, oui. C'est vraiment. Allez Pichon. Ah putain, Pichon, baisse de régime là. Allez Pichon! Ça tient pas dans allez la main, le bois de ça! Voilà! Merde! Voilà, allez! Là c'est fait! Ouais! Putain, frapper oui, mais c'est bien de faire d'autres trucs en même temps que vous frappez les gars! Putain, vous savez pas vous battre, c'est dommage! Bien joué. Bravo monsieur Pichon! Allez T'as vraiment douté? Non, jamais! Voilà, ouais, mais bravo quand même! Merci, bravo à lui! Quel lèche-bot! Allez. Ah bon, tu ne félicites jamais tes camarades quand ils gagnent un combat de boxe? Non, pas quand je les ai battus. Wawana Bandai. Non, hier avec le train, j'en ai plus du coup. J'ai dû pas racheter. Ah, le train. Ouais. Allez, monsieur... Comment déjà? Ouais, c'est le Toto. Le Tocto? Le Toto. Ah oui, mais le Tonton, mais je vais pas t'appeler monsieur Tonton. J'ai des docteurs. Carlos, allez, ton Carlos. Qui sont là-bas, si vous voulez aller voir. Tranquillo, tu frappes comme une gonzesse, ça devrait aller. C'est pas ce que tu disais quand t'étais au sol. Il garde le chapeau, il compte pas le perdre. Bah ouais. Bah tu vas forcément le perdre. Bon, je t'explique les règles. Tu donnes un coup, je te donne un coup. Et ça commence. Si. Vas-y. Ah bah ça commence bien. Vas-y, tape le premier, voilà. Montre-lui, Ayanda. Allez, hola. Bah. Allez, le chapeau. J'ai cherché un truc pour rien. Oui. Alors, on dirait que Ayanda là, c'est là du mal. Il se bat bien ton tonton là. Il a pas l'expérience de monsieur Pichon. Ah, il a des bras de pas côté aussi, c'est compliqué. Allez. Ouais non. Et regarde. Oh merde. Vous tapez dans la graisse, pas la peine. Il est trop gros. Il t'absorbe dans la scie, t'as le sort. Alors, hein. Aïe! Aïe! Ah ah, tu vas prendre un coup de tête, toi! Tiens! Michiko! T'as qu'à en racheter! Ah! Arrache-toi les dents! Tiens! Viens voir la claquer, celle-là! Ah, putain! Ah, mais il bloque le Carlos, hein! Ah, bonne défense! Tiens! 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 Allez! Non, 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 merde! Non, non! Ah, c'est bon! C'est bon! C'est... Bon alors. Non mais je me suis estompé. C'est bon. Ça va? Ah j'ai un peu trop forcé, je pense que. Je pense qu'il a eu son compte. T'as triché. Toi t'as l'odeur des shérifs. Bah non, il a baissé sa garde à un moment et voilà. Ça va? Bah si mais mal à la gorge. Ah putain. Moi j'ai besoin d'aller voir un docteur et après je vois Smith. Elle est partie où, Pichon? Il cherche un truc. Ah putain, il était même pas là pour moi gagner. T'as pas gagné, toi, tricher. Bon, j'ai triché. Toi, un tricheur, meilleur de bœuf. Oh putain, toi.
Mangeur de tapas. Mangeur de bœuf. Mangeur de tacos. Mangeur de bœuf. Mangeur de tacos. Mangeur de carottes. Mangeur de ta... Quoi? C'est... Quoi? Mangeur de carottes. Mais je mange pas des carottes, moi, c'est mon cheval. C'est... Non. C'est... Non! Eh, les burritos, c'est mexicain, non? Oh putain, pourquoi tu parles, Smithy? Merde, Viens, viens, Ramon, on se dissocie, viens. On va à droite. C'est... Voilà, on écoute pas. Rester avec eux, moi. Voilà. Quoi? Ah. Alors, c'est moi qui suis plus à droite. Regarde, là, qu'est-ce que vous faites, Carlos? Vieille pote. Quoi? Ouais, une pote. Non, une patate. Oh, ah. Respecte Toto. Merde, merde. Merde. Ah! Hey. 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 Oh, merde, tu vas nous faire mal. Hey! Ah. Hey. Voilà. Sombrero. Ah bah y'a les perles là. Jackson, réflexe. Hop. Ah, il est mal. Ah, il est en train. Hop là, il y a un petit souci. Ah, d'accord. Ah si, il y avait moi. Oui. Ah oui, je vais boire aussi, moi. Chacun son tour. Voilà. Salut. Et bonjour Swan, ça va? Et toi? Ça va. Salut. Bonjour de tapas. Là. Salut l'ours. Bonsoir. Ça va? Bonjour. Ouais, ça va. C'est qui le plus grand des shérifs? C'est moi, monsieur Harris McKenna, eh ouais. Réflexe! Ah! Réflexe! Ah! Bon bah, merde! Ah, mais tu vas me payer le médecin, toi! Ah, merde! Ah! Aïe! Aïe! Bon, allez, là, arrête de faire ta faible! Ah, je sors d'un combat, andouille! Ah! Tu l'as battu? Ouais, je l'ai battu quand même. C'était qui? Vengadores. Ah bah t'as bien fait, hein. C'est mon genre de tapas. Hein. Ah moi j'ai mangé mon bœuf là. Bah il m'a traité de mangeur de carottes. Ah bon? C'est nouveau. Ouais. Moi je me suis mis au fromage, mais bon. Le fromage, la baguette. Le vin, les cuisses de grenouille. Le cochon. Le cochon. Je vais demander à Swan s'il est dispo. Et du coup, tu vois la maison là-bas, là? Ouais. Si on se fait attaquer, c'est le meilleur spot hein, pour un sniper. Vraiment. Tu te mets entre... Il y a comme genre deux fenêtres. Tu vois, sur l'étage du dessus. Tu te mets entre les deux, t'as la vue sur les plaines plus la ville. Ok. Ah bon, ça va. Putain, mais... C'est quoi ces shérifs qui utilisent des bandages quand il y a des médecins en ville? T'as sonné? Moi j'ai sonné. Il a pas l'air d'avoir sonné. Non, moi j'ai pas sonné. Bah, quand t'as des médecins, hésite pas à leur demander plutôt. Ah, mais ils sont en ville là? Ouais, y'a Swan qui est passé. Ah, bah j'ai pas eu. Il est nouveau lui, non? Ouais, première fois je l'ai vu. T'es plus ancien que moi. T'es arrivé quand, Jackson? Je suis arrivé vendredi. D'accord, bah ça fait un moment quand même. Putain, comment ça se fait, je t'ai pas encore croisé au bureau? Eh bah, j'étais pas trop là les soirs, j'avais des empêchements. Ah, d'accord. Bon, bah, bienvenue au bureau. Eh ben merci. Comment ça fait tous les gens qui arrivent ils sont de Paris. Bon attends, bah je vais voir ce qui se dit hein, le temps que les médecins arrivent. Allez viens Harris. Et je me mets dans le bureau deux minutes. Eh, vous voulez que je vous accompagne? Non c'est bon. Ça va aller, je connais l'emplacement du bureau. Ah il le connaît mieux que vous, il fait plus aller-retour que vous. Je pense pas. Eh, il a fait tous les points, tous les poissons. Mais si tu continues à nous faire chier, tu peux faire un tour en cellule. Comment ça, ce sont les épices? Mangeur de bœuf. Eh non, je me suis mis au fromage maintenant, ça marche plus. Ah, ça pue. Ouais. Regarde-le avec sa moustache, il met la tête en dessous de la tête de la vache. Je parle pas trop avec ta queue de cheval, là. Je préfère fondre et te monter. Ouais, ouais.
T'as ta tête. Enlève ton chapeau, enlève ton chapeau, enlève ton chapeau. Eh ouais, j'enlève mon chapeau et tu vas voir. À une coronesse avec ton crâne. Coronesse qui pend d'où ici. Regarde-moi le style. Et là, le même. Style américain, là, regarde. Avec ta tête. Spécial votre style. Ta cabeça. La belle avec cabeça ton barbier qui t'a lopé. Regarde, Léo, regarde ses cheveux. Quel est le tapis de notre salon. Ah, d'ailleurs, tu sais, c'est le même avec lequel il me frotte le cul. Matin et soir. T'es. Toi est blanc, tu vas pas faire un tour au New Austin. Tu as besoin de bronzer. Ah putain. Eh non, ben justement, j'en viens du New Austin. Oh, j'en avais blanc. Marre des cabanes en bois et du sable. Je suis venu dans un pays civilisé. Merde, il est vraiment inarrêtable ce con. Ah bah oui. Si tu veux t'embrouiller avec quelqu'un, t'embrouille pas avec Harris. On va pour 2 heures. Ah, y a pas tout son temps, on va dire. Y a des choses un peu plus importantes à faire. Si. Comme ne pas braquer et piller ma ville. Qu'est-ce que t'as dit? Je suis pas parti encore. Comment il s'appelle, loué devant moi, là, le meilleur de bœuf spécialiste? Harris McKenna, meilleur shérif de ce comté, eh ouais. Merde, donc ça veut dire que là, en public, tu es en train de dégrader tes hermanos. Tu es le meilleur avec ta grande boca. Ah, je crois pas. Ah bon. C'est... Est-ce que tu vas dire pour ta défense? Pourtant, hier, pendant le train, je t'ai bien montré c'était qui le meilleur. Hein non, il ne se pas tomber face à toi, sinon il t'aurait avalé. Bah, avalé c'est pour comme moi. Ta passe, comme toi. C'est pour moi, je sais pas trop la différence. Il aurait bu, hein. Je vois vos chapeaux et c'est bon. Il aurait bu ton sang, il aurait mangé tes orteils. Il t'aurait même sucé le gland. Quoi? Le gland? Ah non, mais... Merde. Non, mais Ramon, merde. Ça m'intéresse. Merde, ça. Non. Attends. $50 pour Ramon, il le fait. $50 Oui. Ok. Non. Harris, reste professionnel. Pense aux royalties. Ouais. Voilà, ouais, les royalties. T'es vraiment une putain, Carlos. T'es un prodro à licher, Ramon. C'est... Pour sauver les... Oh, putain, les amants de la familia, il se prête à tout. Opa. Non, mais t'es insupportable. Non. C'est pas 24 heures qu'il fallait t'envoyer à Zizika, c'est 48. Ah merde, c'est un coup, il ressort, il est encore plus taré. Ah, faire des patates, oui, je pense bien. En 48 heures, tu vas en avoir. Oui. Et remarque, peut-être que t'auras tellement l'habitude peut-être t'auras tellement l'habitude de couper des patates que tu sauras faire des frites. Je sais les faire. J'aime bien manger des frites, tu m'en feras. Oh putain, Harris. Toi, tu vas surtout manger ma frite. Ah ouais, hein. Bien, Willows. Viens, on va dans la ruelle, là, j'ai mangé des frites, tu vas voir. Viens, trouve-moi un docteur avant. Et après, y a soit toi. Moi aussi, il me faut un docteur, ok. Toi, c'est un docteur, mais toi, es fragile, déjà, de nature. Ben non, parce que hier, tu sais quoi? Mais j'ai défendu encore mon pays. Hier, mais merde, toi, fais un acte héroïque. Non, et non, j'étais à la frontière, j'ai défendu coin. Mon pays, moi. Ben non. Toi, t'es à la frontière. Force eux. Eh bonjour! Y a John Dallas. Qu'est-ce qu'il y a, John Dallas? Ah ouais, c'est pas Madame Angel là que je vois! Non! Essaye de se planquer! Vous confondez, monsieur! Ah non! 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 Pardon! Alors! Ah! Putain! Bah tu sais quoi? Ah putain! Mais toujours plus, vraiment l'exagération chez toi! Tu mais non, mais là j'exagère vraiment pas, c'est le champ du bagarre! De quoi? Je vois un médecin! Ah! Aïe! Qu'est-ce qu'il raconte? Moi je vois un médecin. Pourquoi? Parce que je me suis battu contre un Vanguard, je l'ai défoncé, mais bon, je suis quand même blessé. Mais Bobo quoi, ouais. Ah, mais oui, mais. Yasuan en plus qui est dans le coin, je crois. Bah oui, j'ai sonné, mais il est toujours pas là. Ah merde. Ah merde. Ouais. Bon bah éloigne-toi que je te réétrangle pas là. Ouais, allez, c'est bon. Allez. Allez, Strawberry, vois quoi? Mais... Vous voulez que je vous l'attache? Allez, viens. Allez, bon voyage à vous. Ah non, tu veux pas, hein. Ouais, non. Ouais, mais c'est bien ça, hein. Moi je pense que tu vas devoir rentrer tout seul. Vas-y, ah, vas-y. Aïe bah, mais restez pas derrière, bande de débilos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est beau. Allez, bonne Allez. Soirée. Et au revoir. Au revoir. Donc là, c'est Charles Butler, shérif de comté de Strawberry à gauche. Ok. Il faut que les médecins. Attends juste non parce que. Hop.
Bonsoir, vous êtes en état d'arrestation pour trafic illégal d'intérêt et je sais plus quoi. Exactement ce qu'il a dit. En général, ouais. Elle met une annonce quand elle arrive. Eh bonjour, vous allez bien? Bonsoir, bonsoir. Ouais, c'était une blague, évidemment. Ouais. Bah déjà, niveau arrestation, j'ai vu mieux. Hein, ah putain, mais c'est Madame Garvey! Bah oui, c'est pour ça! Oh putain de merde! C'est qui a sonné? Oh ah, c'est moi, monsieur, bonsoir. C'est nous! Bonsoir. Moi d'abord. Non. Ok. Vas-y. Ah, je vais dire putain, c'est ici, hein. C'est un dollar, hein. On est d'accord. Ah merde, c'est pas là. Bah alors hier on m'avait dit de revenir, mais je me suis couché avant de revenir. Ouais, c'est pas un souci. Moi c'est juste pour une petite bagarre, donc si tu peux me faire ça vite. Bah ouais, du coup moi c'est juste vérifier le bandage quoi. Regarde, Non mais c'est gratuit ça, c'est le suivi, allez venez. C'est gratuit pour moi aussi. Oh, j'aime bien. Non toi c'est un dollar toi. Putain de chier. Toi, hop. T'as gagné au moins Dallas, j'espère. Ouais, j'ai gagné, mais après, il y en a un qui m'a poussé. Je me suis cassé le... Il m'a poussé sur le trottoir, Harris, et je me suis pété la gueule. J'aurais juste un corps pour dire que je suis là. Hop. Je vais me faire engueuler à cause de vous, putain. Hop là. Pourquoi là. Parce que je suis pas en service. J'étais en train de juste faire des vêtements. Ah, ok, c'est pour ça, ce magnifique accoutrement. Oh ouais, j'ai rien fini. On dirait que tout, tu sors de Sissika d'ailleurs, ouais, Swan. T'as des choses à nous révéler? Eh non, le pantalon c'est pas du tout celui que je veux, mais. mais j'ai dû sortir vite du tailleur quand ça a sonné, parce que c'était la deuxième fois que vous sonniez, non? Ouais. Ok. Impatient. Hop. Tiens, voilà un dollar. Merci. Merci beaucoup. Ah, et tu peux me vendre des bandages? Ouais. J'arrive juste après. Ok. Et vous du coup? C'était où la blessure? Alors, c'était à l'épaule gauche. Et voilà! Aïe! Ah. Bon, vous allez bien, Madame Garvey? Ça va, c'est un procès ce soir, mais ça va. C'est un procès sur qui? La Manonera et les chefs de Strawberry. Ah bah tiens donc, ça tombe bien ça. Comment ça tombe bien? Je peux en parler deux minutes? Oui. Allez. Après, je peux pas les juger deux fois sur une affaire différente. Non, je sais, c'est juste pour vous demander des informations. Si vous avez des infos là-dessus ou si vous en avez entendu parler. On m'a dit que Smithy traînait avec la Manonera en ce moment. Pas sa fille seulement. Bah moi j'ai entendu sa fille surtout. Ouais, sa fille ça j'en ai entendu. Apparemment elle a une histoire d'amour avec le gros Tony. Bah elle nous avait dit non. Et en fait si. Enfin bon après qu'elle ait une amourette, oui, peux pas vraiment faire grand chose là-dessus. C'est plus que c'est sûr que si ça apporte des ennuis à papa. Vous ne pouvez pas juger l'amour. Ça dépend. Ah. Pour une chose très simple. S'il y a consentement et si la personne est mineure. Voilà. Voilà. Là, je jugerai. Ce sera l'accord. Ah, s'il n'y a pas consentement. Oui, s'il n'y a pas consentement. Voilà, parce que vous avez dit s'il y a consentement. Oui, enfin, s'il y a le... Si déjà on pose la question qu'il y a du consentement, voilà. C'est sûr que je vais être dans le truc. C'est ce que je voulais dire. Oui, normal. C'est bon, s'il n'y a pas consentement, je serai là. Et s'il y a. Elle est mineure, quoi. Bah, normal. Enfin, elle, oui. Là, c'est plus un côté que l'autre. Mais du coup, oui, non, on m'a dit. Voilà, c'était juste pour savoir si vous aviez les infos, parce que moi, j'entends beaucoup parler là-dessus. Et on m'a dit hier que Smithy traînait avec la Manonera. Après, le pauvre le connaissant, je pense qu'il essaye d'arrondir les angles pour pas que ça se. Ça arrive sur sa fille, quoi. Ouais, bah oui. Après, on peut là se rien faire là-dessus. Bah, on va peut-être lui dire de faire attention, quoi. Enfin, il y a déjà des Los Vengadores qui disaient qu'ils étaient payés, qu'ils avaient un arrangement avec Smithy. Ah bon? Oui, bah, c'était quand? C'était la semaine dernière, je sais pas quoi.
qui disait oui, j'ai un arrangement avec Smithy, donc c'est pour ça que j'ai pas pu attenter à sa vie. Je fais comment ça? Il fait bah, il m'a demandé de surveiller sa fille, blablabla. Bla, bla. Je fais oui, bah ça c'est vous qui le dites, hein, voilà. Et bah, Smithy a réfuté la chose. Okay. Après, il a dit ça quand m'inquiète quand même beaucoup parce que ma fille elle traîne avec plein de gens et t'as plein de. Comment ça s'appelle? T'as plein de clans qui disent ça sur ma fille, qui vont s'amouracher d'elle, blablabla. Bla bla. Je fais bah oui, c'est normal, c'est le shérif et c'est votre fille. Ils vous font chier. Ils vous font peur. Comme quand moi j'étais femme de Marshall, de temps en temps, on venait m'embêter. Enfin, eux, ils venaient embêter Isaac en disant bah, on sait que ta femme elle est médecin, blablabla. Bla bla. Il le faisait une fois, mais pas deux, parce que voilà. C'est Isaac et on fait pas ce genre de commentaires. Et puis voilà. Et au final, j'ai rien eu. Hein. Enfin, ils venaient me voir les bandits, mais parce qu'ils étaient blessés. Donc après, je sais pas si pour lui c'est pareil, mais ouais, faudrait faire attention. Bienvenue dans ce live. D'accord. Exceptionnel, en direct, exceptionnel. Mais après, par rapport à ça, j'ai que des on-dits, donc je peux rien faire là-dessus. Et je vous conseille plutôt d'aller en parler à Pichon. Non, mais justement, c'est pour ça. Là, je relis un peu les points pour avoir les choses et j'en parle à Pichon. Histoire de pas venir avec du vide. Et si effectivement il est corrompu, c'est devenu un rite. Merci, Faust Nevermore. Marshall. Direct. Dès que vous avez l'aval de Pichon, Marshall. Ouais, c'est bien prêt. Bon, ben ça marche. Mais voilà. Parfait. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. Hop là. Monsieur Duke ? Monsieur Dallas. Je vais vous acheter sans doute une Bolt ce soir. Ouais. Ok. Voilà, c'était juste pour vous dire. Eh ben, vous m'envoyez ravi. Voilà. Ah, par contre, je voulais vous demander. Oui. Si vous me faites une réduc, je peux prendre une modification? Une réduc? Force. Non, là, j'ai pas fait exprès. Non, je vous assure. Jamais. Non, mais pas une modification, c'est-à-dire. Non, en gros, vous m'aviez proposé la Bolt. Alors, je sais pas si c'est encore valable. Je vais partir du principe que ça l'est pas, mais je le demande quand même. Vous m'aviez insinué que la Bolt, vous pouvez me la faire à 130 à la place 135. Et je me demandais, à la limite, si je paye 135. C'était quand vous m'avez dit que vous en preniez plusieurs pour le bio, mais si vous voulez. Non, si vous voulez, monsieur Duc, je la paye 135, c'est pas grave. Ouais. En fait, moi, ce que je vous proposais, c'est de la payer 136 ou 135. Et comme ça, vous me mettez une modification gratuite sur toutes les autres que je vais prendre. Je vais en prendre plusieurs. Oui, mais une modification, ça coûte 11$. Ouais, je sais. Bah, c'est pour ça que je peux vous proposer 136. Directement, c'est-à-dire que je fais 1$ de bénéfice dessus. Oui, mais du coup, ça reviendrait à 5$ de réduction de la Bolt. Ça reviendrait au même. Parce que je paye 10$ votre modification déjà de base. Oui. Si je vous fais 5$, je perds encore 5$. Non, mais non. Si je vous paye 135 la Bolt, mais qu'on dit que vous aviez fait 135 déjà. Voilà. De base. D'accord. Mais qu'on dit que vous aviez fait 5$ de réduc, et je fais pas exprès, Madame Garvey. Oui. Ça signifie que vous me faites en réalité 6$. Ou alors je vous propose de payer la Bolt 136. Comme ça, vous faites pile 5. Ça vous irait ? Voilà, on peut faire ça. Bah parfait, j'arrive dans quelques minutes et je fais ça. Ouais, ok. Ça marche, merci beaucoup. Et comme ça, je vous promets l'exclusivité de l'achat de ma lunette chez vous. Ah bah ça c'est bien. Voilà. En même temps, il n'y a personne d'autre qui vous la ferait donc. Oui, c'est vrai. et je la paierai au prix fort. Hein. Ouais, oui. Pas de soucis. Économiser pour m'acheter une lunette, regardez. Moi je l'économise pour un Bolt aussi. Moi je vais acheter un Bolt. T'as acheté un Bolt ? Non, je vais l'acheter.
Si tu veux, t'as déjà parlé à l'armurerie ou pas? Si tu veux, j'en ai un qui trade, je peux te le vendre moins cher. C'est vrai? Combien? Non, non, je me fous ta gueule. Bah oui, 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 ça vaut combien à l'armurerie? 130, moi, 100. Il me fait. Je te le fais à 100. 100 ? Ok, j'achète. 130. Ok, il est déjà modifié. Je voulais. Oh, parfait. Oh putain, merci. Peut-être que tu changes le bois parce qu'il est blanc. Ouais, ouais, bah de toute façon, quoi bah que... du coup, du coup. En fait, ce bolt là, c'était le bolt d'une amie, ma formatrice qui est morte à Lyaros. Ah merde, désolé. Ah, alors attends. Ta formatrice en tant que shérif ou en tant que. En tant que shérif, quand j'étais. Il y a 4 mois, Clay il l'a connu, Garvey aussi. La plupart des anciens l'ont connu et donc du coup elle est morte, elle s'est suscitée devant nous. La plupart des citoyens aussi la connaissent. Hop là, c'est celle-là. Ah bah merci. Il y a déjà quelques modifications. Je te laisserai la recenser parce que ouais, je l'ai jamais fait. Si jamais tu veux changer des trucs, tu peux. Je t'apporte l'argent là dans 5 minutes. Tiens. Allez, je vais chercher l'argent. Vas-y, pas de soucis. Bah attends, j'ai une directeur en banque pour que je pose. Ah bah j'ai 100$. Je te donne 100 ou 110? Je m'en fous, honnêtement. On a foutre. Bon, je vais te donner, c'est plus que comme elle me servait pas, je me suis dit autant te la prêter, enfin te la donner, pardon, pour au moins te servir quelque chose. Ouais, bah ça marche. Bah écoute, j'aurais quand même une faveur envers toi. Ouais, pas de soucis. Et bonsoir. Enfin, je bonsoir. Te dois une faveur, bonsoir. Tu me dois une faveur, Dallas? On va régler ça dans le réel si tu veux. Ah, ta gueule. Déjà, Caris a proposé ça à Ramon devant moi et devant tout le bureau. On va peut-être y aller un peu plus vite. Ouais. Faut que je te parle aussi d'un truc, pigeon. Comment? Ouais, je te parle d'un truc aussi. Ouais. Et doucement, pourquoi tu vas aussi vite? Putain. Ah, c'est pas vite. Bah oui, mais. Moi, une bolt à 100$, j'attends pas, hein. Mais tu l'as déjà. Bah oui, mais bon. Alors. Tiens, bah, tu sais quoi, ça fait tout rond 107. Et hop, comme ça. Il me reste 200. C'est ce que t'as sur ce. Ok. Ah, il me reste 200$ pile ensuite. Alors, liasse de 50. 1, 2. Putain, je suis con, j'aurais dû plus faire ça. Et pourquoi t'as pas fait ça? Mais oui, je suis complètement con. Oui. Donc. Et voilà. Tac. C'est plus drôle, comme ça tu comptes les billes. Hop, oh non, je l'ai mis directement. J'ai combien là? J'ai 136. Ah oui, mais. Ah oui, d'accord, ok, j'avais pas vu. Merci. T'as que 136? Ah, attends, non, non, attends. Sur moi? Attends, ah, okay. Là j'ai 141 sur moi. Du coup, 140. Et donc là au total sur le compte, j'ai 320. Ah bah c'est bien ça. Tu veux pas que je te rajoute 10$? Non, c'est bon, garde-les, t'en fais pas. Ok, ok. Tu en vas faire quoi de ta Henri? Je vais modifier une partie de la bolt, la leash field, je sais pas encore ce que je vais en faire, je vais laisser, je pense, dans mon canasson. Ouais, hésite pas, si jamais soit tu veux la garder, soit tu veux la vendre à quelqu'un du bureau moins cher comme j'ai fait. Mmh. Au moins ça fait un petit tour, non? Bah c'est ouais, pas ouais. Mal. Après je l'ai amélioré à fond, mais j'ai une Evans que je vais revendre. Tiens, regarde-moi, attends, je vais chuter. Pas mal mon bolt gratuit, non? Ouais, ouais, il est magnifique. Du coup, c'est le mien personnellement, je le mets à mon. Ouais, bah t'inquiète, hein, Cyril. Oui, non, mais je l'ai acheté, j'ai mis la lumière, j'ai tout mis. Et faudrait que je te parle d'un truc assez important. Ouais. Bah, si tu veux, on va directement dans le bureau. Ouais. Sans déconner. Ah, bon, running gag. Y'a un peuple au tatouage à ma terre. Hasta luego, hermano. Allez, à plus. Ah ouais, hasta luego. Bonne soirée. Ramon! Meilleur de bœuf que vous êtes. Ouais, ouais, bonjour de tapas cours, que tu es. Bonjour de tapas. Oh là là. Du coup, tu voulais bien. Pour le coup, c'est la seule. Alors, les gars, pardon. Du coup, pour tous ceux qui sont là, il y en a certains, donc du coup, il faut que je voie pour certaines promotions que ça se passera dans la soirée. Un peu plus tard. Jackson? Oui. T'as combien d'armes sur toi? J'ai 3 armes en comptant celle du bureau. Ça fait peut-être beaucoup, non? 3 armes sur toi en tout cas. Attends, oui, pardon. Oui. Moi aussi j'en ai 3, mais il y en a une qui l'a pas. Putain, le bolt. Et 2 minutes, je fais juste un truc, après je suis à toi, Dallas, hein, 2 minutes. Ouais, y'a pas de soucis. Du coup, tu m'as dit que le bolt, il est amélioré au maximum?
Parce que demain, j'en ai rien de bolt, moi. Ce soir, hein, ça dépend. Ça, c'est une belle arme, ça. Ouais, j'approuve. Tu seras moins ridicule avec ça. Oh, j'étais pas ridicule avec les Leech Field. Non, mais je sais. Mais bon. Ah, une balle et ça pardonne pas, quoi. Ouais. Et bonjour, d'ailleurs. Bonjour, je vous ai déjà dit bonjour, hein. J'ai dit bonjour à tout le monde. Bah non, tu m'as pas dit bonjour. Ah si, si, j'ai dit bonjour à tout le monde. Ouais, j'ai pas entendu. Des choses qui arrivent. Alors, c'est des armes de sniper. J'ai accepté de venir parce qu'on m'a dit que je pouvais... Merci beaucoup, Faken. Pour le raid, Ramon. Toi, t'es parti vite. Ah bah oui, tu devais aller à Sissika, non? Enfin, t'y vas ce soir. Eh, du coup, Dallas. Ouais. Comment t'as fait, là, pour que Monsieur Duke te fasse des rabais? Ah là 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 là. Moi, il me l'a fait 135 la Bolt. Mais je t'apprendrai, je t'apprendrai. T'as juste à dire que t'es shérif en fait. Mais il le sait très bien, j'ai fait la dernière fois. Smithy, non. Ça, par contre, s'il y a un truc que Monsieur Duke aime pas qu'on joue, c'est quand c'est une deuxième arme à nous, c'est qu'on joue sur le fait qu'on soit shérif. Alors, du coup, comment ça, une deuxième arme? Oui, la première, il nous fait une réduc habituellement. Ah oui, pour la première arme. C'est ce que je dis. Mais le reste, non. Bon, bah, je prendrai ma première réduc alors. Et s'il y a un truc qu'il insupporte, c'est les shérifs qui viennent le voir pour lui dire: ah non, mais c'est bon, j'ai une réduc de shérif. C'est pas surtout. Je le fais avec plaisir. Réduc. J'expliquais parce qu'Aris demandait comment je faisais pour avoir des réducs. Et du coup, Smithy disait: ah bah tu dis que t'es shérif et ça passe. Bah oui, pour la première arme, oui. Pour la première arme. Il le voit bien. Hein. Il le voit bien que t'es shérif. Après, il y a une façon de le dire aussi. C'est ça. Oui, voilà. Mais Harris, il fait attention, il essaye d'apprendre justement comment le faire subtilement. Il essaie d'avoir du tact. C'est ça. On va lui apprendre. Et du coup, on est combien? Vous êtes 4. N'hésitez pas si vous voulez faire des patrouilles ou chasser à la prime. De toute façon, dans le petit carnet, il y a tous les endroits où vous devez impérativement passer pour sécuriser le comté de Blackwater. Mmh. Donc je vous laisserai à peu près le mémoriser, le connaître. De toute façon, il est à votre disposition. Je l'ai mis en assez gros pour que vous puissiez lire. J'ai dégagé les autres trucs inutiles. Je vais mettre en place les points de rassemblement que Hervé m'avait parlé. Donc là, vous pouvez soit chasser à la prime, comme je vous dis, soit patrouiller, soit vous reposer, il n'y a pas de souci. Donc du coup, on se retrouvera plus tard dans la soirée, sur les coups de 20h30, 21h. Pas de souci. Bon, en tout cas, quand je serai là. Oui, donc du coup, Dallas voulait me parler. Donc, les gars, du coup, cassez-vous aimablement. Vous voulez toujours me parler, monsieur Pichon, ou... Non, moi c'était bon, Smithy. D'accord. Ok. Dis-moi. Ouais, alors hier, j'ai beaucoup entendu parler du fait que Smithy traînait avec la Manonera. J'entends parler qu'il traîne avec sa fille. Et là, je parlais à la juge Garvey et j'apprends... Alors, elle n'a pas d'infos là-dessus, sauf pour sa fille Manonera. Par contre, ce qu'elle a comme info, c'est que Smithy a conclu un contrat avec les Vangadores pour protéger sa fille. Ouais, ça, j'ai déjà au courant, elle m'en avait parlé, ok. Ok. Voilà. Ouais. Donc, et Smithy m'a dit lui-même pour la Manonera, parce que j'ai posé une question subtile, hein, je lui ai dit, au fait, ça te dit quelque chose à Manonera? J'entends de plus en plus parler en ville. Et il m'a dit, ah, je les connais très très bien, c'est des amis. Mm-hmm. Voilà. Ok. Donc ça change rien à notre affaire, mais bon, enfin voilà. Je te laisse en juger. Ok, tu peux me faire un rapport écrit, mais juste tu me le donnes à moi uniquement. Ouais, je te fais ça. Ok, au moins c'est déjà écrit, on aura déjà ça au cas où. Je préfère préparer le terrain, on sait jamais. Ouais, non, mais t'as raison. De toute façon, vaut mieux qu'on se pose des questions et qu'on trouve des réponses, voilà, quitte à ce que ce soit même infondé, voilà. Mais au moins, je préfère juste vérifier, voir si tout est bien, tant mieux. Par contre, s'il y a effectivement des trucs de merde, malheureusement, on sera obligé d'agir. Ok. En vrai, ça va être bien, chaque fois. Ouais, je m'habitue. Oh, c'est bien. Ouais. La Bolt, ça va, t'aimes bien? Ouais, bah écoute, c'est munitions sniper, faut que la Bolt, quoi. C'est ça, munitions fusil sniper.
Ok. Ouais, bah j'aime bien ça. Elle est beaucoup plus précise. Hein. Oui. La lichfit, c'est incroyable. Oui, n'oublie pas par contre, quand tu tires, de bien bouger en même temps. Si t'es statique, tu te prendras des balles. Voilà, ouais, c'est ça. Toujours. Ok. Ah, c'est parfait ça. Je vais te donner accès à ce coffre là. Hein. On sait jamais. Ça marche. Tiens, viens à côté. Hop, normalement, tu devrais avoir accès à essayer de l'ouvrir. Ouais, je me posais une question. Est-ce que, en tant que shérif en chef député, j'avais accès à ce qui était de valider les formations? Oui. Ok, ça marche. On comptait sur toi, justement, on en parlera avec Gervais ce soir, mais pour les formations, les choses comme ça. Je te laisserai aussi, si tu peux, tu sais, il y a des munitions là, si tu vois. Ouais. Peut-être faire un peu le change dans les autres coffres qui sont là-bas pour leur donner des munitions et tout, parce que ouais, des fois, il en manque. Faudrait que j'arrachète aussi, alors attention, décale-toi. Tout ce qui est rolling block et bolt, normalement elles sont à lunettes, il faudrait confirmer. Là j'ai de l'argent et là j'ai 20 220 que j'ai reçu de Caracal. Ok, donc là il faut que je les pose. Pourquoi il manque autant? Bizarre. J'ai pas vidé le coffre. Putain, pour un si peu de temps ça va être compliqué. Ah, je t'arrivais avec tes petites mains. Ah ouais, j'aurais été rapide quand même. Je vais déposer un peu. Ok. Bah pour moi, c'est à peu près bon. Je vais pas juste à chaque fois faire un petit tour si tout va bien et après je repars. En après-midi, je suis pas trop là. Ouais, j'ai fait là. Moi, je suis là tous les soirs. Ouais. J'ai fait passer l'info de Garvey pour les 13h, 17h et, ouais, et 21h. On le remettra à l'écrit comme il avait fait à l'époque. Ouais, et je leur ai dit aussi que pour les menaces de la Guardia ce soir. Voilà, au cas où, qu'ils se tiennent prêts. Ouais, on sait jamais. De toute façon... Ça peut être des menaces de merde, mais ça peut être aussi... C'est ça. Bah hier, vu que t'as couché quand même un de leurs gars, de façon très habile, oui, je pense que ça m'étonnerait pas qu'ils essayent un petit peu de montrer leur coronnes. À la frontière, en tout cas. Par contre, je serai pas là ce soir. Ou alors très très tard. Non, même pas. Je serai pas là du tout. Ok. 50. Oh, attends, 5, 6, 6. Donc bon, n'essaye pas de perdre Blackwater sous. Mais non. T'en fais pas. Ah, ok. 1, 5. Ok. Oublie pas, il y a quelques appareils photo, que ce soit là-dedans ou ouais, là-dedans. Donc c'est durant quand vous prenez des photos, des enquêtes, des... Ouais, d'ailleurs, je vais demander aux députés de s'en équiper, ou en tout cas des shérifs, ceux qui vont passer shérif député, parce que en ce moment, Smithy m'a dit qu'il y avait beaucoup de ventes sur Blackwater le midi. Et effectivement, hier soir, pendant qu'on était à la frontière, un villageois est passé et nous avait prévenu que ça vendait. Un villageois. Oui, un villageois, quoi. Oui. Un gueux est venu nous prévenir avec une missive. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et tous les villageois se rendorment, etc. Mais... Oh. Donc voilà. Ok. ouais, ça c'était bon. J'ai fait des formations. Bon, moi j'ai... Allez, à toutes. Ouais, salut. Ivan, Harry.
bien le bonjour, monsieur le shérif. Salut, Capstrasta, comment ça va? C'est Duke? Ouais. Désolé, j'ai pas pu résister. Pichon m'en a offert une, mais à 100$. Bah, de quoi? Bien. Par contre, y a des modifications. Ouais, que vous aimez pas. Il est dégueulasse. C'est pas très shérif style, on va dire, ouais. Parce que... T'as laissé tomber la barbe, nuit. Paul? J'ai vu mieux. Ouais, bah ouais, bah justement, j'aimerais bien la faire un peu à la style de la Lichfield, si vous voyez ce que je veux dire. Je vais regarder ce que je veux dire. Le seul truc, c'est que vous êtes obligé de garder de l'habillage dessus. Soit je la nettoie complètement. Mm-hmm. Il n'y a plus rien. Ouais. Mais il y a des chances l'habillage, je peux le modifier, non? Vous pouvez en mettre un autre, oui. Mais je peux pas enlever celui présent. Enlever total, non. À part si on nettoie toute l'arme. Bah, je vais regarder. Ouais. T'es toujours vivant, toi? Ouais. On a fait de la place. Hop là, on va voir. Tu peux me montrer ta tenue, toi, pour le truc ou pas? Elle est pas compliquée. Mais tu peux me montrer, non? Ah d'accord, ok. Ah pillage 6. Quoi? Oh non. Oh non, pas la barbe. Non, 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 alors non, je suis pas d'accord. La barbe, là. Ça fait tout. Hein. Non, non, mais non, je suis pas d'accord avec ce truc. Bah non. Alors, je dis pas que c'est mon fétiche, mais la barbe, ça fait tout. Oh. Mais moi je parle pas que ça, rien que ses cheveux tout, enfin en fait non, non. Les cheveux ça va encore. Ouais, vous pouvez noter l'habillage 6. Non. Dans le chat, habillage 6. J'avais pas fait pour un événement qui va durer une soirée, hein, pour un truc à la con. En fait faut que je change la couleur, moi je veux la faire tout noir en fait. Ouais ouais, hein, s'il te plaît, parce que c'est mort. Non, je peux pas me dire, attends. Bien gentil Perle, mais de là à ce que tu fasses ça, c'est mort. Non, mais c'est votre événement, enfin je vois pas... Pourquoi mettre autant d'investissement de... Oui, mais pourquoi mettre autant d'investissement en rasant la barbe et les cheveux juste pour un événement qui va durer 3 heures, quoi. Bah oui, bah moi je m'en fous pas. Mais reste bloqué, ouais, sur ce que j'ai fait, c'est bien. Non mais c'est... Là c'est pas la moitié du crâne, là c'est tout le crâne et ta barbe. Pour donner c'est pas mal. Je vais vous laisser. Chacun ses faux cheveux, et... enfin c'est chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux et puis voilà. Ouais. On va la mettre en habillage 6. Peut-être pas mal. J'ai du mal à cerner avec ton lieu pourquoi tu vas être à poil, quoi. D'accord. Ah non, ça oui, mais pourquoi t'es obligé d'être à poil, quoi. Monsieur Duke? Pour faire le personnage, en fait. Oui. L'habillage, je vais le prendre en. Je vais prendre un habillage, je vais le changer. Numéro 6. Numéro 6. Wow, comment oui, vous allez deviner? Parce que tout le monde fait ça. Ah! Incroyable. Celui que j'ai ? C'est avec les balles, c'est ça ? Non, c'est celui que j'aurai. Oui, c'est ça. Oui, mais je l'ai. Non, je l'aurai. Pour l'instant. Du coup, habillage 6. Ouais. Et il y avait aussi... Il y avait aussi... Manche. Non, c'était pas ça que je voulais tester. Non.
Si vous me dites teint du manche, je vous emmène à la potence tout de suite. Hein. Non, vous en faites pas, j'avais pas fait l'erreur. Bon, écoutez, on va faire l'habillage déjà. Ouais. Et je me souviendrai de l'autre. Alors, tenez, je vous donne l'argent, déjà. Hop, hop. Merci. Et tu pouvais pas te déguiser en les prochaines, chérie ? C'était pareil, hein ? C'était la même... Bah, ça n'a rien à voir avec une grotte et... Tenez. Oh, ouais. Et le précieux. Ça m'étonne qu'il y ait vraiment que cette référence pour un trésor. Bah non, mais c'est celle. C'est celle qui me plaît en fait, c'est tout simplement. Oui, oui, voilà. Et par contre, vous remarquerez que sur l'âme, il y a des gravures, je crois. Ou pas des gravures, mais c'est des. Non, mais c'est mort. Hein. Non, mais je vais mettre un faux crâne, arrêtez de casser les couilles. Moi, je l'étrangle avant qu'il fasse l'événement. C'est ça. Moi, je m'en fiche, c'est pas le mien. Hein. Voilà. Oula, attends, habillage 6, oui. Ouais. Et du coup ? Et du coup, je me demandais, vous voyez, il y a le, effectivement le bois qui est en blanc, mais ouais. je me demandais s'il existait un autre style bois. De bois, ouais. Bah le dieu, oui, des bois. Parce que le bois blanc, on est d'accord, il y a genre de dessin, d'inscription un peu dessus. Oui, il y a des boulets, des chaînes et des crânes. Et ça, c'est intrinsèque à ce bois-là ou c'est un rajout ? Non, je vous explique. Ça, c'est un spécial. C'est pas. En fait, un spécial, c'est une. C'est comme vous voyez, une peinture entière spécifique qui donne un style. Genre, peut y avoir des. Par exemple, il y a le style Halloween avec des araignées, tout le bordel. Et, style... et là, c'est le spécial de la Bolt. C'est un truc soit blanc comme ça, avec des chaînes, des boulets, des crânes encore plus blancs, soit. Le même motif, mais sauf qu'on voit bien le boulet, les crânes et tout ça, et le bois est sombre en fait. Hmm. Ah, il y a que ces deux options. Ouais. Ou alors le bois, il y a différents types de bois, mais de bois couleur bois quoi. Après, ça donne un style, hein, et sympa. Et puis je voudrais pas l'enlever. Et sinon, est-ce qu'on peut mettre de la peau de boa ? Waouh ! Allez, hop là ! Bien fait, ça c'est fait. Bah, je vais regarder. Regardez. Magnifique. Alors, hop. Vous allez dans manche. Alors hop, oui. Donc là c'est le spécial. C'est le spécial le blanc. Et les autres c'est différents types de bois. A savoir que le bourdonné, vous le voyez pas sur le banc. Le bourdonné il est comme mon fusil à pompe. Vous voyez le style ? Retournez-vous. Là je suis retourné pour vous ou pas ? Non. Merde. Dites-moi quand je suis de dos. Là vous êtes tout droit, devant moi. Ouais. Là vous êtes de dos. D'accord. Ah le bourdonné c'est le bois du style de votre fusil. Un peu marbré, oui. Mmh. Ça fait voilà. Vieillot. Ah oui, il y a un petit côté. Ouais. Non, c'est pas vieillot, c'est actuel, monsieur. Un peu marbré okay, comme le gâteau. C'est ça. Bonjour, bonjour Alfred. D'accord, il y a que d'âme. Cette couleur. Est-ce qu'il y a quoi, Alfred, dis-moi. Faire location d'âme. Les couleurs, faut oublier. Location de quoi ? Je vois ce que vous voulez. D'âne. Voilà. Le reste, c'est location des mais j'ai pas d'âne, moi. Comment je suis location d'âne ? Ouais, parce bah ouais. En fait, après, celui-là, il a été amélioré, je crois, au niveau du barrel rifle. Mais mon cheval être grand, du coup, être dur de monter dessus. Bah, vous regardez en canon s'il y a des rayons. Une mule, c'est plus petit. Ça se voit. Alors, attendez, faut que je recule parce que le canon. Le faire manger à chaque fois, mon cheval. Mais. On va essayer comme ça. Au pire, achèterai. Bah, je saurais pas vous dire. Mais bah, je pense mais que je vous montrerai après. Si vous voyez, si l'intérieur est complètement lisse, c'est qu'il n'y a pas. Si vraiment vous avez l'impression de voir quelque le chose. Temps plâtre, qu'on puisse avoir besoin de le manger. C'est qu'il y a, c'est qu'il y a ça y est. Le quoi ? Oh putain. Bon, arrêtez de vouloir manger. Ça n'a pas l'air complètement lisse l'intérieur. Quand on en a plus besoin. Oui, non, celui doit être fait. Ouais, Pichon m'a dit qu'il était fonctionnel, il appartenait à une ancienne shérif qui lui a pris le métier. Oui, mais parce qu'il oui, est mais parce que, ah, mais parce que le temps est venu. Je sais très oui, bien. Oui, mais là, malheureusement, il l'utilise pendant 3 jours. Malheureusement, là, le cycle de la vie, il va pas décédé. Intervenir. Oui, je sais, c'est à moi qu'elle a écrit ça. Il est rapide, quoi. Ah, ben, c'est désolé. Pas grave. Pas la nature qui a décidé. Il y a une éternité. La crâne de mire est déjà améliorée. Ah là, ça change le cran, ouais. Il le soulève cran. Un point qui est pas négligeable. Ça améliore la précision. Bah, on devient tous végétariens, là, c'est pas ouais, ça a dû être. Allez, go. Je vais rajouter une gravure, je pense. En attendant, les chevaux, alors. Ça c'est sert vrai qu'elle adorait le transport. Et je parle le blanc de son bol. C'est pour la bouffe. Mmh.
Mais une mule, c'est pas très haut. Hein. Je pense qu'avec ton plat, ça sera plus facile de monter que t'achètes un âne. Je peux te prêter une mule, ça j'en ai une. D'accord, Alfred, comme tu veux. Je t'aurais pas fait une location, hein. Je te l'aurais juste prêté, puis tu me l'aurais rendu quand t'allais mieux. Ouais, je vais prendre la gravure 3. Hop. Et je crois que je vais essayer de voir. D'accord. Oh, il y a une gravure canon aussi. gravure 3 en. Du coup, c'était. La 3, c'était pour la. Hop, je me trouve pas. La carcasse. Swan, il veut acheter un âne pour pouvoir monter dessus vu qu'il a un plâtre. Et après, et quand il en aura plus besoin, hop, il veut le manger. La gravure canon. Ça sera. On peut mettre une gravure différente. Ouais. Non. Je lui propose non, de, prêter, de lui prêter d'accord. une mule, il m'a dit non, t'inquiète pas, mal. Même si vous avez l'impression, bon, en fait, il y en a une qui va prendre le dessus sur les autres. Swan, t'aurais vu la mairesse ? Bon, oh, ça ira la 3 aussi. Ça. C'est les mêmes en nombre. J'ai pas compris. C'est les mêmes en nombre. Oui, non, non mais. Je crois oui. que c'était un Los Diablos. En fait, vous pouvez, si vous choisissez une des gravures, sur les autres, il faudra mettre la même. Enfin, ça vient d'un. D'accord. Sera... Non, j'ai pas vu Georges. C'est un set de gravures, quoi, on va dire. D'accord. Bah, la gravure carcasse, du coup, ça sera 3. Et si tu veux la chercher, ça sera plus et, ouais. Et là, du coup, ça se reproduira donc sur la gravure du canon. Et je me demandais est-ce que tour et puis... hop là tu veux quoi alors je voulais, bah, je voulais acheter une maison canon. Et voir avec elle il est déjà modifié oui. Sinon tu si elle est pas là tu lui envoies un télégramme oui et Esther Esther oui alors tac teinte de la bière je sais avec l'éolienne ah celle de mais non, il est déjà c'est modifié la teinte de l'habillage. Ok. Ah oui, mais c'est Astro. C'est l'ancienne. Oui. C'est l'ancienne moi, maison je de campagne. Ici à... Mais Mais au cas où, c'est bien d'en parler, Paul. On sait jamais, ça va. Mais elle est libre du coup. Ah, on va faire ça non, du mais coup. Donc gravure carcasse, on avait dit. Ah, mais je sais pas s'il l'a rendu, c'est ça qui. La 3. Bah, si, note, si les parties sont à rendre, c'est moi qui suis un peu indécis. Non, okay. Non, mais prenez votre temps. Moi, ça va. Et bah, c'est pas un problème. Fais chasse gardée, décide. Oui. Eh bien, raison, Esther. On sera la 3, c'est bien. Allez, on fait ça. Ok. Ouais, là, okay. Miles et Esther. 3 et pareil pour le canon. Hop, ensuite, on va voir. Oui, ils sont à l'ancienne ferme. Ah oui de, comment il s'appelait Monsieur Kaiser. Ah, Kaiser, oui. Oui. Je viens de voir la spéciale. Bon, par contre, ça, elle change la couleur du manche. Sinon, enfin, je pas vous du manche, dis mais du la bois. Bonne soirée, bonne chance. Bonne soirée, Esther. Merci. Merci, ah. Bonne chance à toi pour le procès. Si vous avez... Est-ce que vous l'avez de quelle couleur hein ouais. Là, je l'ai en marron, d'un coup. Ouais, c'est ça. Ça sera toujours plus marrant que les TLU. Je c'est comme ça, alors. Ah, ok. Hop. Moi, je vais aller manger. À tout à l'heure. À toutes. Des bisous. Je vais les manger à tout à l'heure. Bonne app à toutes. Alors, hop. Bonne app, Swan. Désolé, je vérifie encore 2-3 trucs. Non, mais prenez votre temps, je veux dire. Ah, c'est ça. La couleur du canon correspond pas à la couleur du reste de l'arme. Ouais, c'est un canon un peu bleuté. Matériau canon. Ouais, je vais modifier le matériau canon, je vais le mettre le 4. Ouais. Ah mais ça va me faire changer tout. Parce qu'après il y a matériau du barillet. Pareil, il faut que je le mette en 4. Ça va me coûter des noises. Bon, déjà on va faire juste les gravures. Donc gravure canon et gravure carcasse. On va partir sur du... sur le 3. Voilà, on avait dit.
Et puis voilà, on est bon. Allez, hop. Excusez-moi. Mais encore une fois, hein. C'est mon taf. C'est notre taf. Bah oui. Ouais, mais c'est moi qui attends depuis 20 minutes. Alors, 22 dollars. Hop. Hein. Hop. Tac. Hop. Alors, voilà. Tac. 2 dollars. Et voilà le billet de 20 qui fait plaisir. Hop là. Alors. Dites-moi donc. Alors, on avait dit gravure carcasse. Alors, 3. Attends, hop. Deux secondes. Alors, gravure carcasse 3, ouais. Et gravure canon, bah du coup 3 aussi. Mm-hmm. Et c'était tout. Gravure du canon 3. Ok. Et ensuite, je modifierai mon lemar. Juste un truc. J'ai envie de tester avec mon... Tac. Ah, comme il est beau. Ah, ça renvoie bien. Mm-hmm. Ouais. Voilà. Alors... Et mon lema, hop, on va changer. Non pas la teinte de manche. Ah non. Le manche. Mais le manche. C'est on va peine le faire... de manche. Hein. Ouais. On va faire passer le manche en perle. Comme ça, ça ira avec l'arme. Ouais, ouais, ok. Alors, hop. Je vous donne ce qu'il vous faut. Ici, un. Ah non, mauvaise arme. Il faut me rendre le bol. Il me saoule, lui. Hop là. Qui c'est donc? Le mec à l'intérieur, là. Ah. Et voilà. Tac. Ah bah non. Bonjour. Ah non, 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 j'avais pas prévu ça. Mange perle, c'est ça? Bienvenue. Ah bah vous travaillez à l'armurerie. Ah non, 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 non. Merci pour le follow, Astony. Non. Hop là, hop là, hop, 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 hop. Vas-y, c'est là. Et Ah, ça renvoie bien, hein. Vous avez vu? Ouais. Ah, c'est pas mal. Bon, je parle, c'est toujours bon. Ouais, je vérifie un dernier truc et on sera bon. Live exceptionnel, en direct exceptionnellement. C'est bon, il s'est calmé. Merci Spinouillette pour le follow. J'ai couru sur le ponton, il a voulu sauter, je crois qu'il s'est remêlé le pied, il est tombé. Il s'est cogné. Vraiment con celui-là. Ouais, ça change. Hein. Ouais, hop, on va rester comme ça. Et du coup, c'est plus, Allez, on est bon. Bonjour, le meilleur des shérifs. Salut Queen Anna, ça va? Bon bah c'est pour tout bon pour moi, merci beaucoup. Ok. Très très beau travail et vous en faites merci pas pour la prochaine fois, je pense bien un petit cadeau quand même pour la proposition de vente pas cher. C'est juste que monsieur Pichon là... Vraiment c'est pas... Ce Pichon vous a devancé. Les Bolt ça part comme des petits pains, vous inquiétez pas. Hein. Ah bah je suis rassuré. En même temps, ça a l'air d'être une très bonne arme. C'est incroyable. Ah bah, ça... elle déçoit jamais. Hein. Je peux tirer dans le chapeau de mon député instantanément, là. Paf. J'ai rarement vu des gens qui rendaient des bolts en disant « j'aime pas ». Bon bah, ça fait plaisir. En tout cas, je ferai appel à vous pour la lunette. Ouais. Allez. Nickel.
Bonne soirée. Bonsoir. Vous allez bien? Oh, ça va, ça va. Je voulais voir si Georgia ou John. Voilà. Ah, bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah, jolie ma Bolt. Même pas vrai. Faut arrêter de flex. Hein. C'est bien en blanc dans les buissons. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bah, ça sera toujours moins voyant que ta barbe. Ah bah écoute, moi dans le noir, je suis noir. Hein. Oh hein. Bah oui, je me roule dans la boue avant. Ah, c'est dégoûtant. Oula. Ce ah bah écoute, technique de camouflage. Bon, du coup, j'ai modifié mon lema aussi. Hop, comme ça. Parfait. Il me manquera 66$ dont les 55 royalties de M. Harris. Ouais. Et ça va augmenter, fais gaffe. Hein. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Merde. Ça m'agen pas. Hein. Non, mais elle est belle, là, ma Bolt. Vous en pensez quoi? J'ai une, bière, oh, une belle ça, paire bien. De Bolt. Oh. Ah, c'est parfait. Ça, je pourrais tirer sur le chapeau des députés. Ah. Wow. Non, mais pas vous, vous avez passé shérif député. Ah. D'ailleurs, messieurs. Oui. Monsieur Harris. Oui. Alors, j'ai l'autorisation de monsieur Pichon. Oui. Maintenant, je peux modifier tout simplement vos formations. Oh. Donc, monsieur Harris. Je vous avais validé hier, selon mes observations, le convoi, oui. La sommation, en effet. Le parcours à cheval en ville, mm-hmm. Et reste la procédure où je vous ai vu, il me semble, établir. Donc on va dire que vous allez la valider incessamment sous peu. Quant à Billy. Oui. Billy, t'as validé le convoi. Qui c'est qui modifie Attendez. Excusez-moi, c'est moi, j'ai fait une petite erreur sans faire exprès. J'ai mis mon doigt en mauvais endroit. Ouais, ça serait bien de ne pas toucher à ça, vous n'avez pas accès normalement. Donc. Donc, monsieur Billy, vous avez validé le convoi pour moi hier. Impeccable. La négociation, je l'ai déjà vu négocier. Procédure, elle est connue. La sommation aussi, je vais vous la valider. Et le passage à cheval aussi. Est-ce je vais le faire en plus. Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent? Attendez, c'est dans quel papier encore? Je vérifie. Effectif. Recensement, j'en ai déjà fait quelques-uns. Sommation, bah oui, c'est fait aussi. Contrôle, on a fait quelques-uns encore hier. Je pense qu'on a tout. Hein. Celui que j'ai le plus de mal, c'est le parcours à cheval, mais ça vient avec le temps. Je viens de le faire sans me tromper, là, mais... Ouais. Non, mais le parcours à cheval, ça reste à faire, mais c'est en cours d'évolution, ça va. Monsieur Harris ? Oh, il est parti. Ah bah c'est con. Je vais dire que pour moi, il avait tout validé. Quoique... Qui c'est qui a pris des dollars tout à l'heure sur le contrôle ? C'est Harris. Harris a déjà négocié, il me semble, non ? Je l'ai jamais vu négocier. Bon, ce sera à faire alors. C'est pas lui qui l'a fait le premier soir où on était tous là? Si, il me semble, mais bon, je préfère le voir quand on est. Ah, mais non, c'est pas lui qui a négocié, c'est M. Pichon qui a négocié. Ah oui, c'était Pichon. Harris? T'as des parties? Je crois qu'il est dans ses pensées. Donc. Ah, ok. Bon, il reste Steven où j'ai pas vu beaucoup. Et Harry, par contre, je...
Ivan est joli. Parfait. Tac, Ivan joli. Ok. Ouais, moi je pense que le parcours d'ici. Le prochain parcours, je le connaîtrai un peu pas plus par Monsieur cas. Smith ? Oui. C'est qui vous a validé, vous, vos formations ? Aucune idée. Parce que les formations, j'ai pas. J'ai pas beaucoup fait. Enfin, c'est Monsieur Pichon. C'est Saint-Denis, ouais, monsieur, ça doit être Monsieur Pichon, parce que vu que je viens de Saint-Denis, mais. En tout cas, j'ai pas fait de formation avec vous réellement, il me semble. D'accord. Vous étiez en quel poste à Saint-Denis ? J'étais cadet. D'accord. Bon, bah on va voir tout ça. On verra tout ça prochainement. Bon, je fais confiance à Pichon de toute façon. Ok. Par contre, que vous amusez pas à cocher, décocher des choses là-dessus. Ah oui, excusez-moi, c'était bon, poser mon doigt sans faire esprit. Ceux qui ont le moins de formation, je pense, c'est Clément et Cédric. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Parce que, souvent, en fait, pour moi, pour la il y a la théorie, il y a la pratique. Pour moi, valider la formation, c'est qu'il y a eu pratique. Donc voilà, on verra bien. Après, voilà, pour moi, Harris, il valide presque tout. Billy, il valide de tout, au vu des observations. Harry, il a tout validé. Bon, pour moi, là, ce soir, je vais écrire une recommandation, une lettre de recommandation à Monsieur Pichon pour Billy et Harris au passage de shérif des putis, ainsi qu'Harry. Ça, ça sera fait. Moi, je suis transparent là-dessus. Merci bien, en tout cas. Bah, je vous en prie. Merci à vous. Ouais, c'est mon travail, c'est bon tout. Taf, vous écoutez. On a des bons moments. C'est les bons copains. Puis quand il faut être sérieux, vous êtes sérieux. Donc c'est parfait. Encore mieux au prochain convoi avec ma Bolt. Voilà, c'est ça. Ah, monsieur Harris. Ouais. Encore mieux dans un mois quand j'aurai un viseur sur ma Bolt. Je viens de dire quoi, monsieur Harris ? Si vous que les Mexicains ils devraient rester du côté de leur pays. Nous, ah c'est parfait, rester. C'est parfait, c'est ça. Non non non, j'ai dit que ce soir j'écris une lettre de recommandation pour votre passage en shérif des putes. Ah merci. Eh ben, d'ailleurs j'ai une question. Ouais. La négoce, vous m'avez jamais vu négocier ? Bah il me semble que je vous ai vu une fois, mais je suis pas sûr. Donc pour l'instant je l'ai pas noté, mais la prochaine fois que je vous vois négocier c'est validé. Non, faites pas. Allez. De toute façon, si vous avez passé shérif des putis ce soir, si Pichon vous fait passer, pour lui, c'est que c'est tout validé. Hein. Donc, voilà, sachez-le. Très bien. Donc, à partir du moment où je vous recommande, c'est que j'estime de toute façon que c'est acquis. Par contre, messieurs. Oui ? Bah, me faites pas regretter mon choix. Oh, jamais. Oh, ça, j'en doute pas. Je me plais trop bien ici, donc. Ça va, vous plaisez au bureau ? Ça se passe bien ? Oh, oui, bah, l'ambiance est vraiment nickel, hein. Ouais, 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 je sais, je suis parfait. Pas du tout un but de ma personne, non, non, non. Ah là là. Ah putain, qu'est-ce qu'il est beau ce Bolt. Faut que j'arrête de le regarder, il va falloir que je m'en serve un jour. D'ailleurs, en parlant d'hier, ouais. Je pense que le plan aurait été de chuchoter à Monsieur Pichon de s'accroupir et que nous on tire. Il était en joue. Quand il est en joue dans des duels du genre. Je peux pas s'en rappeler lui, mais bon. C'est pas faux, mais c'est assez compliqué dans ce moment-là, surtout quand Pichon tire à l'improviste. Oui. C'était pas trop prévu, même pour moi. J'étais juste à côté de lui, j'aurais dû lui chuchoter, c'est ma faute, hein, mais. Non, c'est pas grave. Je vais tirer, vous avez tiré, je pense. Oui, 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 j'ai tiré. Si le gars tombait pas, il tombait pas sur ma balle, hein, vous en faites pas. Ah oui, bah, pareil, hein. Tous les deux, on. Ah, par contre, la Bolt, je remarque, a un désavantage par rapport à une Litchfield. Une balle. Ouais, c'est que vous avez que 5 balles. Mais après, c'est aussi un avantage quelque part, c'est que c'est très létal. Mettez un bon tir, le gars en face, il respire plus. Donc juste un viseur et ce sera parfait. C'est bon. Bah là, il est déjà amélioré, figurez-vous. J'ai juste pas la lunette. Mais ouais, bah la lunette, c'est vraiment...
Non, c'est pas mal. Je vous voyez, vous ça, enclenchez l'arme très vite. Malheureusement, j'ai pas pu la reprendre. Là, vous tirez dans le chapeau de Smithy, pam. Et plus de chapeau. Plus de chapeau. Ah bon. Il le verrait même pas venir parce que c'est un angle mort. Enfin bon, voilà. En tout cas, vous êtes parfait. D'une bonne ou mauvaise nouvelle, c'est à vous de voir, à vous penser, monsieur John. Vas-y. Ma fille est revenue de Saint-Denis et s'est installée ici parce que ça va plus avec les Italiens. Ouais, d'ailleurs, messieurs, vous pouvez sortir du bureau. D'accord. Bien sûr. Deux minutes. Hein. À ce propos... la Manonera, justement. Mmh. Oui. Tu voulais me dire quoi tout à l'heure dessus? Je sais qu'ils ont des tables de jeu. Mmh. Il y a des gens. Comment? Il y a des collègues. Ah oui. C'est bon, ils sont sortis. Voilà. Je sais qu'ils ont des tables de jeu. Mmh. Et faudrait voir pour une toute petite enquête pour confirmer un tout petit doute. C'est que vous voyez le bateau hôtel? Ouais. Je crois qu'il squatte dedans, mais il faudrait voir avec la police de Saint-Denis. Parce que quand j'ai fait Sissika les deux jours là, il y avait quelques allées et venues et ils rentraient dans le bateau. Vous savez, le temps qu'on attend d'embarquer. Et ils ressortaient. Donc je pense qu'il y a peut-être quelque chose. Histoire de lever le doute, et s'il y a quelque chose, bah c'est une occupation inégale. Ouais. Alors, moi, ce que je me pose surtout comme question, c'est les rapports justement qu'entretiennent ta fille avec la Manonera, parce que je te cache pas, Smithy, que ça me pose question, quoi. Alors, ses rapports, elle était uniquement employée du chiffre. Elle a jamais été fait partie des effectifs du groupe. D'accord. Ah. Mais toi, par rapport à ça, ça a changé ton travail ou ta manière de voir les choses ou... Ah bah, du fait qu'elle était très proche, je pouvais pas. C'est pour ça que je me suis auprès renseigné des juges. Je pouvais pas enquêter dessus. Maintenant qu'elle l'est plus, je peux. Voilà. Ouais. Parce que comment vous dire qu'elle voulait se marier avec le gros Tony? Ouais, j'ai appris ça justement. Voilà. Mais du coup, c'est plus d'actualité. Plus du tout. Et elle travaille plus là-haut. Après voilà, moi je m'inquiète vis-à-vis de toi quoi. Parce que je ah dis, non, de moi, ça peut oh, peut-être vous être dur pas. À gérer. Non, je l'ai laissé faire pendant 3-4 jours, je me suis éloigné d'elle, etc. C'est pour ça que y avait Monsieur Picheron et un juge. Il y a eu beaucoup de rumeurs là avec des shérifs de Strawberry, alors que je la voyais pas. Hein. Elle se baladait. Hein. Et les rumeurs, vous savez, moi ça me passe par-dessus mon chapeau. Hein. Je sais ce que je fais, je sais ce que je dis. Après. Ouais, c'est juste. Mais en tout cas, j'ai entretenu aucune relation avec ces bandits là. Hein. Je les connais de nom, c'est tout. Ah, bah j'imagine bien. Ah, si, attendez. Une fois, il y a le gros Tony qui est rentré dans ma propriété, mais comment vous dire, j'étais aux latrines. J'aurais été là, il aurait pris un coup de pompe. Toute franchise. Ok. Il est avec ma fille, hein. Mais c'est tout. Elle qui me l'a dit, hein. Voilà. Non, mais pas de soucis. Hein, à l'heure actuelle, elle travaille plus au chiffreur et elle a plus de relation avec ce groupe-là. Voilà. Et elle était simple employée et pas. Si vous voulez, elle faisait pas partie de la Manonera. Voilà. D'accord. Par contre, on m'a dit un truc. Dites-moi tout, je vous dirai si c'est vrai ou si c'est faux. Garvey m'a dit que tu lui avais déjà répondu dessus, mais t'aurais demandé au Vengadores de protéger ta fille. Alors, un juge est passé, c'est réglé. Et non, pas ça. Alors, je vous dis ce que je leur ai dit, ce que j'ai dit au juge. J'étais aussi en civil, ils m'ont chopé, ligoté, mis à l'arrière d'un cheval. J'étais en civil, hein. En shérif. Hein.
enfin à l'arrière de mon cheval, puis ils l'ont fait partir à part la suite. Et ce que je leur ai dit, bah, si vous entendez des choses à propos de ma fille, si ça se passe mal, est-ce que vous pouvez me les reporter ? Je vous demande en aucun cas de les surveiller. Vous voyez, d'homme à homme. Puis la juge, elle a dit, bon, ok, c'est pas ce qui m'a été dit, je lui ai demandé quoi ? Bah, apparemment, vous les aurez potentiellement un peu abusé de votre statut de shérif en leur demandant de surveiller votre fille. Mais c'est pas du tout ce que j'ai demandé, en fait. Bah oui, bah, voilà. J'imagine bien. J'ai versé, j'ai même dit au juge, je leur ai pas donné d'argent ou promis des rabais de peine ou ce genre de choses. Voilà. Bon, bah, voilà, voilà. Je veux juste savoir ça. Comme bah, pas c'est vu, ce que j'ai dit au juge, et ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Écoutez, c'était Esther Garvey qui est venue me voir. Mais il y a eu beaucoup de rumeurs avec des shérifs de Strawberry aussi. Je sais pas ce que elle leur a dit. Hein. Mais après, ça a pris une ampleur. Mais en deux jours, alors que j'étais constamment là, hein, je dormais même dans le bureau, j'en ai même plus à Saint-Denis. Hein. Voilà, bizarre. Non, mais t'inquiète pas, c'est bon à savoir. Enfin, moi, je garde qu'il y a certains effectifs à Strawberry. Voilà, ils sont. Ils aiment bien fourrer leur nez, alors qu'il ferait mieux de fourrer leur nez dans leurs rapports ou leurs enquêtes. Non, mais ça, après, par contre. Non, mais façon de parler, pas, vous voyez ce que je veux dire. Tu peux pas en vouloir à des collègues d'enquêter. Sur les liens étroits que peut avoir la fille d'un shérif avec le gros Tony, tu vois. Ah bah oui, mais il n'y a pas de dossier d'enquête d'ouvert, donc... Et alors ? Ah bah, s'il n'y a pas de dossier d'enquête d'ouvert, ça s'appelle qu'est-ce pas une enquête. On n'a pas accès au dossier de Stroh, nous. Puis c'est, je veux dire, dossier ouvert ou pas, moi, quand j'enquête, j'enquête. Hein. C'est... Bah je sais pas, moi, on m'a expliqué qu'il y avait une procédure pour faire une enquête. Alors, il y a des procédures pour faire les enquêtes, il y a des procédures, par contre, pour faire des... pour poser des questions honnêtes aux gens. Et je pense que c'est plutôt là-dessus que les Stroh, ils en sont. Tu vois. C'est... Ouais. Moi, je veux dire, je connais pas exactement le fonctionnement du bureau de Stroh en interne. Ce que je sais, par contre, c'est que quand ils posent des questions, c'est jamais... C'est jamais contre quelqu'un, c'est juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Ah si, là c'était clairement contre moi, parce qu'ils m'ont conseillé de faire une procédure d'éloignement. Ça a été très très loin en fait, alors que je la voyais pas pendant 3-4 jours. Ouais, bah c'est pour pas toi te mettre dans la tuile. Et puis que tu puisses rester en tant que shérif. Ah bah si, c'est une procédure d'éloignement, je posais la juge, elle m'a dit que vous posiez votre plaque parce qu'il y avait une suspicion de connivence avec la Manonera. Non, voilà. On se connaît, Smithy. Ah oui, vous me connaissez, mais la juge, elle me connaît pas. On sait que t'es pas ce genre, mais c'est juste que par contre, tu t'attires souvent des ennuis avec les groupes par tes fréquentations, par ta femme, elle t'a déjà mis sur le coup avec les hommes du boucher qui apparemment s'en sont pris à elle. Bon, bah c'était pas sa faute. Hein. Ma fille, elle a choisi là où elle travaille, elle est majeure et vaccinée. Hein. Bah, c'est ça. Voilà. Oui, bien je sûr. Peux pas lui dire ah ben non, va pas travailler là-haut. Moi je lui dis bah évite les bandits parce que je suis shérif. Après elle est majeure vaccinée, en âme et conscience. Hein. Elle est adulte. Bah en âme et conscience, elle ira à Sissika si elle fait des conneries avec eux. Elle le bah sait. Oui, tout à fait, c'est ce que je lui ai dit. Voilà. Ok. Mais d'après ce qu'elle dit, elle a pas fait de conneries à part faire des balades avec le gros Tony le soir, c'est tout. Et à préparer à manger. Voilà. Bah après, on s'en fout de ça, c'est... Ça... Ah bon, ok. Ça marche. Voilà, voilà. Parce que je pensais qu'il y avait Monsieur Pichon qui voulait en parler ou je sais pas quoi. Non, 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 je pense pas. Moi, je préfère juste en parler honnêtement parce que je me pose des questions. Oui, mais ce que tu me dis là, ça remonte il y a 2 jours quand même, 2-3 jours. Bah oui, mais je t'ai pas croisé depuis ce mois-ci. Hier, j'étais pas là avant-hier. Eh non, hier, t'étais pas là. Avant-hier, t'étais à Sissika pour garder la prison. Ah oui, ouais. Donc, non, t'as gardé la pression. J'avais un coffre pour faire une sortie, ouais. Voilà. Du coup, moi, je te voyais plus, donc... je préférais attendre que tu sois là plutôt que... Oui, parce que je veux remettre, tu sais, l'organigramme des bandits à jour. Tu sais, dans le classeur du bureau. Ouais.
J'avais rendez-vous avec madame Olga Philippe Sarode. Et manque de bol, il y a un groupe qui a commencé à tirer. Vu que j'étais là, elle m'a dit on est un petit peu en sous-effectif, vous êtes là, est-ce que ça vous dérange de venir avec nous? Je dis bah non, je suis là. Voilà. Ok. Mais Pichon était au courant que. Du rendez-vous que j'avais avec madame Olga. Voilà. Non, mais de toute façon, tu fais ce que tu veux, t'es chef député. Si t'es pas là, c'est que t'as une raison d'être pas là. Hein. Ça, on s'en fait pas. On sait que t'as toujours été en poste et t'as toujours bien fait ton taf. Je veux dire. Tu serais député encore, je me poserais des questions, tu vois. Genre, qu'est-ce qu'il fout dans un autre comté ou pourquoi il est sur Apprentiseur. Non, mais j'ai quand même demandé la permission avant de. Si c'était intéressant de mettre à jour ce document-là et il m'a dit oui, de le faire. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué d'organiser des rendez-vous en fonction des activités de chacun le soir, hein, entre les convois, les prises d'otages qu'il peut y avoir pendant l'établissement de ces documents. Enfin voilà. Ok. Bon, mais ça marche, c'est tout pour moi. Voilà, c'est tout bon. Ouais, bah oui. Pas d'autres questions? Non, c'est bon, monsieur. Vous êtes libre. Ah, c'est bon, je suis libre. Moi, par contre, je vais aller manger. Ouais, tu vas souper, ça marche. Oui. Voilà, et je reviendrai un peu plus tard. Moi, je serai plus là, donc. T'es pas là ce soir? Non, je suis pas là ce soir, je reviens demain soir. D'accord. Donc, je suis pas là ce soir. Parce qu'apparemment, il y a la Guardia qui. Ouais, je sais, je te dis. Oui. Comme ça, qui. Il y a un shérif. Député qui me l'a dit un peu plus tôt dans l'après-midi aussi. Ouais. Donc voilà, et du coup, ouais, bah pour l'instant, il y a que toi, moi, enfin, il y a en tout cas, shérif député ce soir, il y aura peut-être Harry, Yaris, Billy et Ivan, je sais pas pour l'instant. Suite à hier, j'aimerais juste devoir un deux trucs avec lui après. Mais il était là tout à l'heure. Ouais, mais il bosse bien, Ivan, il bosse bien. Mais je connais pas encore tous ses répertoires de formation, en fait. D'accord. Par contre, qu'est-ce que je voulais dire ouais. Ah oui, je connais toute la procédure d'entrée, de visite et de sortie pour Sissika. Ok, bah tu nous feras... Si jamais on a des gens à mettre à Sissika. Ouais. Vaut mieux le voir en vrai, parce que vous l'expliquez comme ça, je vais vous le dire, mais il y a des bureaux spécifiques pour faire certaines choses. Et pas tout au même endroit. En fait. Pas de Donc si un jour, un soir, c'est calme, vous voulez faire un tour de garde à Sissika pendant 3 quarts d'heure, 1 heure, que je vous montre et qu'on se balade excuse-moi, là-haut. Speedy, il faisait pas un bruit un peu bizarre, Jackson? Non, j'ai rien entendu. Ok, c'est moi alors. Ok, non, voilà. Mais il n'y a pas de souci, c'est noté. C'est bien pris. Bon souper à toi. Ouais, et, merci. À demain. À demain. Là, je vais aller m'entraîner un peu. On va y aller. Jackson, tu fais quoi? Ah ouais, je suis bon. C'est vrai qu'il est calme cet après-midi. Moi, je vais me balader pour tester ma Bolt. Ah bah. Je reviens un peu, je reviens pas ce soir après. Ok. Voilà. Donc si on se recroise pas, n'hésite pas à rejoindre les autres en patrouille, te familiariser avec eux et tout. Oui. Voilà. Ok. Et bah, bon test à toi du coup. Je t'en prie. Putain, Madame Smithy, vous revoilà. Oui, je me suis réveillée. Tout va bien? C'est bien, vous? Ça va, je vais tester ma nouvelle Bolt. Magnifique arme. Sinon, vous avez changé la couleur, non? Non, elle est nouvelle. J'ai pas changé grand-chose, en fait. Elle appartenait à une ancienne shérif qui s'est tuée. Ah. Donc, J'espère que ça ne viendra pas à vous flinguer, hein. Non. Moi, je vais m'en servir, je vais rendre à cette arme le réceptacle de ces démons. Voyons.
Mmh. On s'arrête pour faire le bien. Vous avez pas vu un smoothie, votre truc de cette taille? Il est parti souper. Oh, mais il m'énerve, lui. Tedder, j'ai appris pour vos affaires de romance, ça va? Écoutez, ma foi, je peux encore les vendre, donc oui. Comment ça, il vous a menacé? Non, mais c'est les Italiens, quoi. Vous voulez venir avec moi pour en parler? Bah non, parce que j'ai rien à dire. Je suis partie d'une manière assez correcte, je pense, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord. Bon bah, tout va bien alors. Ok, ok, c'est juste pour être sûr. C'est sûr. Oh mais il me fait chier, là. Tu me réveilles, il va dormir pour manger, je sais pas quoi. J'ai pas compris. Ah bah c'est Smithy, hein, il est un peu spécial. Ah merci. Mon père, je commence à capter. Ouais. Bah allez, je vais vous laisser alors. Tout le monde m'abandonne. Mais non, mais non. En fait, je me flinguais, tiens. Je m'étouffais au bar. L'alcool, l'ivresse et la jeunesse, bah bravo. C'est votre faute. Ouais, bien sûr. Si on me retrouve saoul dans les rues de la ville, c'est votre faute. Je manquerai pas de vous arrêter. Ah, allez. Si c'est vous qui me passe la menace, ça me dérange pas. Quoi? Mais enfin. Oh là là là. Oh, vous êtes terrible, vous, hein, vraiment. Je suis pas la fille à William pour rien. Ah bah ça, oui. Ça, c'est sûr. Ah, bordel. Comment le prendre, ça, du coup? Mais du coup, vous êtes de retour à Blackwater, donc vous traînez plus à Saint-Denis. Non, Saint-Denis, c'est fini. Oh bah c'est bien. On verra au saloon. Tant mieux. Faire de l'animation. Ouah, j'aimais bien les déplumer au poker, les Italiens. Ah bah, vous viendrez nous déplumer, nous. Tant mieux. J'ai pas assez d'argent à perdre pour ces conneries. Ah ah ah. Avant, je me faisais 100 dollars la soirée, maintenant, je me fais petit. Ah merde, faut que je m'achète à bouffer, moi. Ah, mais il fait du bruit, lui. Oh bordel, je sais pas ce qu'il a. Eh, bonjour, messieurs, dames. C'est un braquage. Non, je plaisante. So my pal's gone off wandering again. Naturally. Ah bah bravo la police. Bah quoi? Bah ça y est, on se présente, on va avec le chemin. Y'a pas de panneau interdit aux chevaux? Ah, il est allé sur intervention. Oh, depuis on a rien reçu. J'ai rien reçu, oui. Merde. Je crois que je vais aller au New Austin passer une heure. Ah bah, toujours ça de prix. Allez, bonne soirée à vous. Allez-y, abandonnez-moi, vous aurez ma mort sur la conscience. Bien sûr, madame. Allez-y, Spitty. Vas-y. Bien sûr. Il faut même dans ce côté. Elle fait un peu John Dallas, je trouve, dans le fait que John Dallas, il perd ses moyens avec les femmes, il se sent seul, nanana. Et là, elle est en mode oui, personne ne m'aime, nanana, personne veut de moi. Ah, mais elle a cru que j'allais l'amener sur un braquage. Bon, le député, il a foncé là. Pas la meilleure partie.
Ah ça, si la fille comme le père, non. Ah, j'ai envie de tester, mais c'est risqué. Tellement risqué le truc des Vangadores. Ah putain, c'est risqué, sa mère. Aïe. Non. Ah putain de merde. Comment ils font? J'espère que mon cheval va bien. M'étonnerait, mais j'espère. Ah putain de merde. Ah bordel, je suis vraiment trop con. Ah, je suis vraiment trop con. RIP. Bah, disons que je vais débarquer en bourricot, quoi. Je vais aller chercher bourricot. Enfin, si je croise Madame Smithy, je me fends la poire quand même. Non, je voulais tester, je voulais tester. J'ai testé. Ouais, ça va, je suis pas là ce soir, mon cheval il aura le temps de se reposer. L'amener chez le vétérinaire. Ça va aller. Quand votre cheval il est blessé comme ça, vous le soignez mais vous le prenez pas de suite. Prenez un autre que vous avez. Je vais être ridicule à débarquer avec bourricot. Les gens en face. Bienvenue dans ce live exceptionnel, en direct exceptionnellement. Alors, on va sortir bourricot. Putain de merde, j'y crois pas que je vais sur un braquage avec bourricot. Enfin, si j'arrive à temps, hein, c'est pas dit. Regardez-moi ça. Salut Zeria. Voilà. Ça, c'est la meilleure monture de Tour Red Dead. Ça va, mon cheval il est blessé, merde! Allez, tu te casses, bourrico. D'avoir loupé son coup. Lui. Bonsoir. Vous allez bien? Salut. Yeah. Vous allez bien? Ouais, je travaille un peu à la menuiserie là. De quoi? Je travaille un peu à la menuiserie là. Ah, d'accord. Ouais, je viens d'arriver. Vous avez pas vu un shérif tout hasard en ville? Non. D'accord. Alors. D'accord. Désolé. Oh, y'a pas de soucis. Travaille dur à la menuiserie? Ouais, ça va. Patient quoi. Ah bah oui.
Allez. John Dallas, shérif de Blackwater, au passage. D'accord, enchanté, shérif. Je vous en prie. Chen Callagher. Enchanté, monsieur Callagher. Bon, bah, je vous souhaite une bonne journée. Ouais, de même, monsieur. Je vous en prie. Ah bon, des petits, ils courent. Sur un braquage avec un âne où tu lui as mis une selle. Ah, c'est un peu que je lui ai mis une selle, ouais. Bon, ça va, elle lui va bien, la selle. On sait jamais, on peut tomber sur un âne. Bon, bah, on va la chasser, hein. J'ai pas voulu le député, je sais pas ce qu'il fout. Allez, bourrico. Gloire à vous, monsieur Duke. Bonsoir, bonsoir. Oh, le petit chat. Ouais, il est parti par là, mon député. Putain, t'imagines les Vangadores sont là. Allez, on va chasser un peu. Et on va se barrer. Ah mais attendez, on n'est pas en civil. Ouais, c'est pas bien ça. Ah, il me faut une tenue civile, on est pas loin de la ville, on va changer. Je présente la mascotte du bureau de Blackwater. Ah, t'inquiète pas. C'est où le changement de tenue? Ah, c'est par là. La cabane ici. Allez, bourrico! Putain! Aïe! Putain, bourrico! Bourrico, Dan, batté! Ah, j'ai envie de te frapper là. Ah, ouais, c'est ça. Putain, non, reviens! Saloperie! Ouais, incontrôlable en plus. Allez. Pas un coup à se casser la gueule. C'est ça. Bande de trolls. Et je m'en cassais la gueule, moi. Ah, déjà qu'il est pas fut-fut, le machin.
Quand c'est pas épuisable hein, ce truc hein. Alors on va aller dans les montagnes. Ah non putain, là on peut pas chasser je crois. Non non, on va éviter d'aller ici. On va essayer de redescendre et tourner à droite. Oh putain. Putain Bruco, tu gères. Aïe. Ah Bourrico, j'en ai marre de toi, casse-toi. Allez, va voir ailleurs. Ah putain. Ah saleté. Ne regardez jamais votre téléphone en même temps que vous conduisez un âne. Vous allez passer un très mauvais moment. Ah, je suis mauvais moi. Hey. Tu vas où après pour chasser? Bah, tu vends tout simplement au vendeur, enfin au boucher de strawberry. Il prend ce que t'attrapes. Hein. Ça fait un bruit. Je l'ai eu. J'ai mis 3 balles en même temps. Ça, ça abîme bien. Hein. Bizarre ce rocher là. Non, c'est un trou. Je vais faire quoi d'un écureuil? Quand le lapin, je l'ai eu. Non, je l'ai pas eu. Putain, je l'ai eu! T'as été loin. Hein. La chasse, c'est très bon pour s'entraîner quand même. À 19h17, là on va y aller.
bizarre ce pont, il est trop moderne pour le lieu. Important de nettoyer son arme. Et les crânes par exemple. Là je suis tombé dans la boue tout à l'heure donc ça l'a cradé. Ah non, par contre le Bolt il a une précision incroyable. Plus de dégâts. Non. Une grotte. T'as des fois on découvre des trucs comme ça. Pas l'air d'y avoir d'ours. Ça a l'air trop bien cet endroit. Bon allez, on va se poser là. Peut-être bien passer la nuit. C'est perfect. Bon, eh ben, mesdames et messieurs, merci pour vos subs, vos resubs. Évidemment, je vais vous envoyer sur le live de quelqu'un d'autre. Notre stream, n'est-ce pas, peut-être dans la même thématique, peut-être comme ça vous pourrez suivre les aventures de ce soir auxquelles je ne vais pas assister évidemment malheureusement. Je vous envoie chez qui? Je vous envoie chez... Ah bah là c'est tous partis manger. Bah, je vous envoie chez... Bah de toute façon vous me retrouvez à 20h30 normalement chez l'Escalvin, donc je vous envoie chez lui, voilà, ça peut être pas mal.
En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie énormément à tous et toutes. Merci aux subs, aux resubs. N'hésitez évidemment pas à, tout simplement à me rejoindre prochainement. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir évidemment de vous retrouver là. Nous aussi nombreuses. Voilà, n'oubliez pas de me rejoindre sur Twitter ou de me rejoindre sur Discord. Les replays sont disponibles sur YouTube. Celui-ci se le sera sans doute en fin de soirée ou alors demain matin. En tout cas, c'était pour vous remercier à tous et toutes. Voilà, c'était Joël Sociologue. Bonne soirée. Ciao. And all the storms you've been chasing about to rain down tonight. And all the pain you've been facing about to come into the light. Your hands upon dead man's gone now.